So avant de passer à l'épisode de la semaine, mm. on vous rappelle de vous abonner, de share, partager, like, anything. C'est très apprécié à la famille. Vous savez déjà où est-ce qu'on fait l'émission, le podcast, ça se passe ici au iReligion Store à Montréal. You know the motto, everything you see is for sale. Et bien sûr, il faut qu'on shout out la famille, les Day One Smoke Signals. They got us right from the beginning and got us floating like an angel over here. Ooh, oui, yes sir. What's up tout le monde? Bienvenue sur le podcast y know What it is, What man. Vous savez déjà comment we do à chaque semaine, vous savez we are, Hidden Showroom. Big mm -hmm. shout out to le monde who like, shares, share, key comment, shows show love, you know what I mean? Yeah like, um... culture. And this week, bro, Encore un guest spécial, you know what I mean, Quelqu'un behind the scenes, mm -hmm. quelqu'un du côté médiatique. Tell them. Un journaliste. ok, Un chroniqueur. Ah ouais. Un collaborateur. fact. Mais avant tout ça, un connaisseur de musique. Je parle du seul et unique Philippe Renaud dans la maison. What's up, bro? Yes, sir. Ah, merci. Merci, monsieur. Ça fait un plaisir. Plaisir de te recevoir, bro, man. Euh, je, je trouve ça cool qu'on puisse parler avec du monde du côté média, du côté grand média. On parle du devoir, Radio-Canada, toutes ces choses-là. Pour les gens qui ne savent pas euh, ou qui ne connaissent pas, donne-nous un petit background comme c'est quoi le day-to-day le, le -day dans la vie de Philippe Renaud. Ah là, en plus, c'est le retour au travail après le congé <laughs> du temps des fêtes. Euh, euh, enfin, je suis journaliste indépendant. Je passe. Alors, mes principaux clients sont Le Devoir et Radio-Canada, puis euh, euh, et, et, et c'est donc écouter de la musique, euh, parler avec des artistes, euh, réfléchir à des enjeux de ouais. notre industrie, puis essayer d'expliquer ça, puis de creuser ça, faire un travail d'exposer de, ça au public. Ouais. C'est un peu qu ce qu'on fait ici au podcast. Bien, bien sûr. On... Oui, exact, c'est ça, c'est ça. Yeah, yeah, fait que cool, cool, et euh, pour yeah. la première fois, enfin une rare fois. Être celui qui répond aux questions plutôt ben ouais, que de devoir hein? les poser, c'est ouais. quand même formidable. Puis, puis, puis parler de musique en plus, c'est vraiment. Merci de m'avoir invité. Les ça gars. fait plaisir, ouais, ça fait plaisir. Puis tu sais, comme on, on parle de ça, on parle de, de, de tes clients, parce que c'est ça, tu dis, tes journalistes indépendants, ouais. mais c'est quoi le grind de, de journalistes indépendants? Comme comment tu commences. Euh, dans ça, as-tu ça toujours été du côté culturel, musique Comme as-tu toujours été un music guy Comme parle-moi parle ouais. un peu du background. Un bah, music guy, oui, toujours. Euh, après, euh, tu je dans ce milieu-là, la radio m'intéressait aussi. Euh, okay. euh, bon, j'ai fait j'ai fait des études, puis je m'attendais à puis j'en fais de la radio professionnellement euh, aujourd'hui, mais passer la majorité de mon temps à écrire des textes pour des quotidiens ou des, des sites web, c'est de plus en plus ça. Ça, c'est arrivé euh, euh, ap après l'université, finalement, où euh, euh, j'étais à cette époque-là, donc on parle de 1900, à la fin des années 90, là, ou 2000, mettons, 2000, ouais. où euh, j'ai une amie qui écrivait déjà euh, au journal de la presse. Donc, professionnellement, moi, j'ai commencé au journal de la presse à peu près à 2000. OK, quand et, même. Euh, et et cette amie, euh, comme moi, s'intéressait à la scène de musique électronique, puis au EPA, puis tout. Puis était d'origine française, puis elle a décidé qu'elle quittait. Puis en partant, elle a laissé la porte ouverte en disant bon ben, appelez-nous ce gars-là. Euh, puis j'ai commencé à écrire des trucs, mais surtout sur le nightlife, puis. Et à un moment donné, on me dit euh, mal pris, oh, on a besoin de quelqu'un pour faire une entrevue avec la chicane. Ah ouais? Ah, la chicane, okay. messieurs. <laughs> euh, probablement que la majorité de vos auditeurs ne sauront pas euh, qui sont la chicane. De la misère Du en ouais, c'est ça. Right? C'est ouais, ça, ça, là, exact, exact, ça. Exact, right. <laughs> Et puis j'ai dit oui. Parce que qu'avant ça, j'étais disquant. Mon, ma première job, quand je suis arrivé à Montréal. Pendant mes études, c'était en J'avais 18 ans. Ils m'ont pris, puis là, tu m'as écouté plein d'affaires. Puis donc, il y a beaucoup de ma formation musicale. Là, on parle de avant la haute vitesse sur Internet. Yeah, yeah. Hein. Avant ce et, et tout. À ouais, c'est ça. Et là, j'avais, j'avais euh, il fallait écouter toutes sortes de musiques, mais j'avais accès à tous ces disques-là aussi. Tu sais. Et pourquoi je faisais de la radio? C'est qu'avant de devenir un, un journaliste puis d'en faire un métier, euh, j'ai... Euh, j'avais une émission de radio assez belle que j'ai tenue pendant euh, quatre ans. Comment ça s'appelait Ça s'appelait. Alors, j'ai eu deux émissions, en fait. Il y a une première émission où on faisait jouer de la musique en français parce que l'émission de musique électronique que je voulais faire, mais finalement, la, 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 la slot horaire était prise. Puis il m'avait dit Bon, on a de la place là. Euh, jeudi avant-midi, pour faire jouer du franco. Et on faisait jouer un petit peu de rap, mais du rock, puis de, de n'importe quoi. Et c'est après que j'ai fait euh, l'émission. Et vous me donnez l'occasion, en plus, euh, messieurs, je vais prendre une gorgée. C'est yeah, un ouais, cool. On s'intègre sip, Pop Your Colors, c'est ce qu'on fait ici au podcast. Big shout-out Smoke Seniors, you already you know. You no. ah. got us floating like an angel. Vous me donnez l'occasion de faire un shout-out... Euh, euh, un, un vieux pote à moi qui est décédé en fait je suis vraiment c'est la, la minute triste de votre épisode là j'ai right. un bon ami Toutes qui est décédé en début de semaine Christophe euh, qui était discer avec moi chez puis euh, j'avais demandé de, ça te tente de faire de la radio puis tu vas être mon mon tech euh, et on mm. a commencé ensemble à faire cette émission et ensuite les nuits euh, le jeudi ça s'appelait Cosmos enfin Co euh, cosmos 1997. En, 20, par 20, en, moi, en parlant de Smoke Signals. Ah, voilà, ça. Ça. <laughs> et c'était une époque formidable. Euh, et c'est ce qui m'a donné vraiment envie de faire de la radio. Et c'est pour ça que je pensais euh, que je m'en allais à faire de la radio jusqu'à ce que cet accident de parcours m'amène à écrire davantage. Mais c'est intéressant. Puis. puis... T'sais, étant un gars de musique depuis tes jeunes, ouais. euh, c'était quoi des, tes premières références hip-hop, genre par exemple, que wow. ça soit local ou même international. Ouais, ok, ah, c'est une bonne question. Écoute, moi, je, je, je suis originaire d'un village qui s'appelle Oka, qui n'est pas tellement Ouka. loin d'ici. Oh. Hein, c'est pas eh tellement oui. loin. Oka. Oka. Oka by de the beach. Pas loin de Kanesata. Oui, c'est ça, oui. exact. exact. shout -out Smoke Signal. already. It. No! <laughs> <All right. laughs> Excuse-moi. Il fallait, il fallait que je le dise. Non, mais il y avait, en plus, ça, je me souviens, parce qu'il y a une radio là à Châteauguay, où oui. il y a des émissions de hip-hop. K103. Oui, ouais, ben oui, c'est ça. K103, oh, classique. Oui, c'est l'éducation musicale est passée par là. oui, wow. Mais je veux moi, mon premier Contact avec le rap. Dans le cours d'école primaire, on se passait des cassettes de Beastie Boys puis Run the MC puis les Fat Boys. Là, vous on parle de la fin des années 80. Les fat Boys. Ouais, et c'est encore bon. Tu sais, contrairement à MC Hammer, c'est risible. Moi, les Fat Boys, j'ai toujours aimé ça puis il y a des breaks là-dessus. Ils sont, sont encore bons mais ben, même il y avait leur film Back in the Days, Boy, ouais, oui, oui, il y avait, oui, les Cowboys. C'était les premiers. Oui, oui. Non, il y avait fait un film oui, oui, comme oui, un oui, vrai oui, film, oui. une comédie genre They Were Funny Guys, right? Okay. Ouais. Puis c'était vraiment classique. C'était un des premiers, je pense, qu'il avait fait comme de la musique puis un film. Puis euh, c'est même... gros succès. Et puis pour des petits culs quand t'as 12 ans, tu fais ah oh, waouh, c'est 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 fou. C'était mon premier contact. Et ensuite, comme je pense. Euh, la majorité du monde de ma génération, le premier vrai contact, enfin qui venait pas de la ville, qui venait de la campagne, le premier vrai contact, c'était grâce à Musique Plus. Ouais, puis, 100%. Il faut comprendre, au cas, à l'époque, c'est comme De Montagne, Saint-Eustache, c'était une contrée de métal. On écoutait du Megadeth, puis du Metallica. <laughs> on, on écoutait ces affaires-là. Hein? Et, et le rap, il n'y a personne qui en écoutait. Okay. Là, à un moment donné, arrive Musique Plus. Puis commence à tourner des clips de rap et surtout les premiers clips de MC Solar. Parce que là, tout d'un coup. Ouais, Caroline, puis qui sème le vent, puis tout. Puis là, tu réalises qu'il te parle dans ta langue. Tu comprends? J'ai appris l'anglais tôt. Je comprenais ce qui se disait dans le rock, mais quand je vous disais, même dans le rap, et quand t'as 12 ans, puis t'écoutes, we got a right to fight for party, c'est niaiseux, mais là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui me parlait en français puis qui me avec un bon texte. Et là, je pense que je suis devenu un fan de rap à ce moment-là. OK. Et c'est, puis là, je parlais de mon ami Christophe qui est parti. Lui, il était plus vieux que moi, puis il était français d'origine. Il est arrivé 10 quand je l'ai rencontré. On s'est entendus, mais il était. Il en connaissait un peu plus que moi à 18 ans sur le rap français. Et là, il m'a aligné. Je vous disais Ah oui, MC cela t'as pu... » « Assassin, assassin !» Oh, shit, OK. « au NTM, les sages potes !» Et là, ça a été une révélation. Là, tout d'un coup, tu découvres ça. Ouais. Puis pour la culture musicale, à l'époque, Archambault, c'était larchambault sur Berry puis on était dans le sous-sol. au... Classique spot, ouais. là. Puis juste à côté, la porte à côté du, dans le sous-sol, quand ils ont agrandi, c'était le département de musique jazz. Puis là, quand tu passais d'en haut pour aller au jazz, tu, tu descendais dans, dans le pop, tu au jazz, puis nous autres on faisait jouer du rap, mettons. là on faisait jouer, c'était le début des années 90. Et âge d'or, nouvel âge d'or, Wu-Tang, Tribe Cold, euh, euh, Diggable Planet, enfin, name wow. it. Puis là tu avais les, les spécialistes du jazz qui passaient, puis là qui entendaient une tourne de gangster, puis qui faisaient Ah tiens, c'est drôle, ça c'est un sample de. Puis là on faisait Ah oui, quoi ça Là je traversais le département. Là voilà. j'allais voir, euh, ils faisaient le disque, l'enregistrement original de 1960 de Grand Green ou. C'est fou, euh, on était avec Craven, ouais là, ouais, ouais. C'est ça, t'sais. on parlait de ça avec Craven et Chav, le, le digging, tu sais. Ouais. Là, les gars, aujourd'hui, ils vont dans des record stores spécifiquement pour essayer. Ben, eux, ils veulent créer des nouveaux samples, ouais. mais, mais c'est un, ouais. un peu le même principe de love pour la musique. T'sais. Exact, exact. Tu fais des liens, tu fais des liens, puis je pense à un gars, ben, Craven. C'est sûr que Simon D, il n'y a plus personne qui veut sampler ça. Là, tu vas ailleurs. Là, il est dans le... le temps a passé. On a tellement tout samplé, les classiques, de chez Blue Note, de chez. Ouais. Regardez, il faut en trouver de nouveau. Ouais. Eux autres sont, sont deep down Mais the oui, rabbit bro. hole, là, du, oui, ils vont loin. C'est ça. ça. Mais c'est ça qui est cool. C'est ouais. une, une partie de l'art. De, ouais. de c'est fou. Ça, donc, dans le fond, c'est le, le fait de voir qu'il y a du sampling, que les gens reconnaissaient, puis peut-être qu'ils qu avaient le love pour le hip-hop. C'est comme ben, ça. Mais ben, alors, c'est ça, c'est que mon amour du hip-hop, euh, euh, qui était une musique que je découvrais en même temps, m'a amené à aimer le, le reggae, puis le jazz, puis le mm. funk. Tout, parce qu'il samplait cette musique-là. Ouais, 100%. Hein? C'était si quoi du George Clinton ou quelque chose comme ça. Oh, man. It sounds que like, c'est le beat de Adre. Euh, ouais, c'est ça. Tel, tel que 100%, ça, c'est ça. Non, 100%. 100%. Puis, puis exemple, quand. Dans ces années-là, moi, quand tu me dis early 90s, c'est genre KC, LMNOP. Pis ces ouais, -là. Aussi, aussi. Ça, c'était-tu tes premiers ouais. contacts disons, avec la scène locale aussi? Oui, oui, oui. oui, oui. bah ben, ben, parce qu'avant, lui, enfin, il y en avait, puis cette histoire commence à être mieux racontée, puis tant mieux, parce que c'est important de reconnaître les pionniers. 100%. KC, quand même, ça a été euh, euh, Malik Shahid aussi, vraiment, ouais. qui était euh, à Musique Plus. Ça a, été, ça a été les premiers qui ont. Qui ont montré qu'il y avait du rap québécois ouais. puis qu'il n'était pas une parodie comme RBO en faisait ou ouais. Le Pape <laughs> du Rap ou des, des, des affaires comme ouais. ça. Le, pop le boyfriend. Rap, le le boyfriend. pape du rap, le as boyfriend. En fait, tu oui, le, le boyfriend. Boy, le boyfriend, oui. Le pape du rap, c'était Daniel euh, Lavoie, euh, qui était un chanteur de variété puis qui faisait. Euh, qui avait commis une chanson de rap. Puis malheureusement, okay. on s'en souvient parce que c'était un des premiers succès populaires du rap tout comme le rap à Billy de Lucien oui. Lui, Au moins, on y accorde rock, c'est un poète, c'est un, un homme issu de la contre-culture, mais qui n'était pas de la culture. et pas pendant toutes les juste euh, ouais. Jump the bang Wagon. Ouais, ça, il y en a eu beaucoup. Mais ça, il y en a eu de partout. Oui, bien sûr. Bien ça te sûr. montre aussi que ça s'en va mainstream. Ouais. Quand tu vois ça, tu te dis, OK, il y a ça, mais en même temps, ça s'en va mainstream. Ouais. Mais tu sais, ici, il y a toujours eu... Tu sais, ça, exemple, quand tu parles de Musique Plus, pendant plusieurs années, c'était juste Musique Plus, le seul outlet qui vont parler du rap local, qui vont parler des artistes d'ici. Tu sais, maintenant, ça commence à changer. Tu sais, on voit toi, tu écris des articles. Ouais. Il y a, a d'autres chroniqueurs, il y a plein de, de, de tribunes. Et vous, surtout, parce que je pense que dans la, la presse écrite, il y avait à l'époque le Voir, il y avait le Mirror oui. chez les Anglo, il y avait Classique. On, on s'intéressait aux époques. Il y avait une. Place pour le hip -hop. Dans les médias généralistes, c'était plus difficile. Quand j'ai commencé à la presse, c'était difficile d'un fois de vendre des sujets de rap. Pas tout le temps. Mais quand il y en a une place. Comment ça... difficile, genre C'est-tu juste parce que c'est quelque chose que les gens, exemple là-bas, les, les plus hauts placés, connaissent pas ça Oui, oui, c'est de, de la méconnaissance. Euh, beaucoup. Euh, mais c'est aussi parce qu'il y a. Euh, c'est dans une certaine mesure encore vrai aujourd'hui. Dans le papier, il y a euh, un espace. Ouais, euh, sur le web, on imagine, on peut tout écrire, mais là, l'espace, c'est les budgétaire finalement. faut que tu payes ton monde. Tu peux pas payer okay, du ouais. monde pour écrire sur, sur tout ce qui sort. Euh, bon Et que veux-tu Céline Dion sort un 10. Céline Dion <laughs> pogne la grippe. Céline Dion, <laughs> euh, il va y avoir de l'espace garanti pour Céline et un peu moins pour une scène underground que ce soit le rap, mais que ce soit aussi le métal qui a le droit de se plaindre, puis les musiques électroniques. Moi, quand j'étais à, à la presse, j'étais proche de tout ce monde-là, mais je voulais défendre les artisans ouais. euh, du hip-hop puis des musiques électroniques. Je pense que je l'ai fait au, au meilleur de, de, de... et de ma connaissance, mais au, de, de, de ma capacité de, de persuasion des patrons de le faire, que ça vaut la peine de parler de... C'est quand que tu as vu que ça l'a changé, disons, dans... Euh, est-ce que c'était très graduel? Est-ce que tu as vu un moment donné, ça l'a juste débloqué? Euh, ben, C'est-à-dire que euh, pendant. Euh, pour ce qui est des musiques électroniques, quand je suis arrivé, donc au début des années 2000, c'était déjà crossover. C'était rendu crossover. Ouais, mais pour le hip-hop. Moi, je parle. Euh, pour parce que je sais que le hip-hop ici plus... au Québec, c'est toujours un touchy sujet, Ouais, ouais. Dire. ouais. Pour le hip-hop, ça a été effectivement difficile. C'est-à-dire qu'il est arrivé une belle époque où là. J'ai fait les entrevues avec Yvon Crevé quand il a sorti son mmh, premier album. J'ai fait les entrevues avec euh, euh, Sans Pression quand on ont l'album. Évidemment, Mosaïn. Ça, c'était cool. un, une époque où le, le hip-hop, au moins... Puis là, on, les autres, KZ, Combination. combination. Euh, ah, euh, ouais, okay. euh, Rain Man. <laughs> ouais. tu sais, ça, il fallait parler ces C'était des classiques du rap d'aujourd'hui. Ouais, 100%. Une fois ça passé, une fois cette, cette bulle-là passée, là, ça a été plus difficile. Euh, je pense que pendant une bonne partie des années 2000, euh, pour moi, vendre des sujets, mais, mais aussi cette scène-là, tout d'un coup, avait, euh, euh, on dirait en anglais, Growing Pains. Aussi. Ouais. Je pense qu'elle apprenait à, à s'insérer dans cette monde... industrie aussi. Il fallait, il fallait que le hmm. milieu apprenne à se professionnaliser, et ça n'a pas été facile. Ça, c'était l'époque des Napsters et tout c'est l'arrivée des euh, Oui, c'était euh, c'est ça qui commençait puis tu sais exemple dans la scène locale rap les, les gars ils mettaient pas toutes leur tonne online comme ça pour free ouais. download, c'était des mixtapes, des affaires comme ça. C'est mmh. un erreur un peu bizarre dans l'industrie, tu sais, puis après ça, ouais. boom, quand ça a switché au exemple au streaming 2014, 2015, 2016, c'est un peu en même temps que la scène ici a commencé à ouais. à boom, tu sais, c'était beaucoup plus accessible. Je pense que ça ça l'a eu à voir. Mais oui, c'est vrai que ces années-là, on dirait que c'était plus... Il y a moins eu de highlights, disons. Il y a eu Je ne veux pas... Et c'est sûr qu'il y a eu, beaucoup... hey, y a eu non, des non, non, gros non, non, albums qui ont qu on drop. Là. Mm -hmm. Exemple, les Manus. Les... On a oui, 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 Roughneck aussi. Roughneck, ouais. ils, ils ont parlé Ils disaient, pendant cette période-là, moi, j'ai quand même porté le truc sur mon ouais, rôle. Roughneck. Il avait fait son move. Ouais. C'est ouais. vrai. T'sais, il y avait une scène indépendante qui, 100%. qui, qui 100%. travaillait. Elle n'avait pas le choix d'être indépendante parce qu'il n'était pas signé par les médias. Enfin, les majors, on pouvait dire qu'il y avait des, des sortes de majors québécoises. dire ouais. les audiogrammes de l'époque. Ouais. C'est pas des ouais. majors, mais à l'échelle québécoise, c'était eux qui dominaient l'industrie. bon Puis, tu avais d'autres étiquettes, celles qui ont sorti, dogmatic quand même, classiques aussi, tux. qui ont réussi. Tox, ouais, ouais, oui, oui c'est ça. Et, et, et puis, après ça, il y a eu de la création. Les artistes étaient bons, faisaient de la bonne musique, mais c'est juste comment, comment marche la business pour qu'ils se fassent connaître. Là, déjà pour les, les médias, c'était à peu près fermé. Sinon, dans la presse écrite, pas juste nous autres, mais ouais. euh, les weeklies qu'il y avait, le voir et tout. Mais les radios, tu sais, c'est encore le cas aujourd'hui, les radios commerciales ne jouent pas, le rap québécois, à part l'autre désormais Fouki, puis Corias, puis ouais. l'arbre. C'est bien correct. Oui, c'est récent, là. Mais c'est récent, puis même. C'est récent, c'est voilà, ça. Ouais. Donc, il fallait compter sur ces cahier. Faire compter sur ces ISM. 100%, 100 big shout à tout, toutes ces stations-là, puis tous les shows indépendants qu'il y a eu, comme, incluant ceux-là que tu parles, que tu ouais. faisais, à tous ceux qu'on a, qu a connus, même en étant des artistes, on a passé à toutes les émissions. Man. Ben ouais. On se faisait toutes des listes de quelle émission aller, puis c'est des grinds. Comme que nous, aujourd'hui, on parle des podcasts, on est comme, yo, on fait ça pour la game, tu comprends, comme ouais. on ne vient pas ici avec un salaire, un punch card, tu comprends. C'est la même chose pour les gars qui faisaient des émissions de radio, puis il y en avait, c'était comme. Hey, viens me checker de mon émission, c'est de 1 à 3, 1 heure le matin ah ouais, ouais, <laughs> jusqu'à 3 ouais, heures le ouais. matin. On a reçu Benoît Baudry. ouais, oui, Ben oui. Qui Be quoi Ça fait 15 ans qu'ils font ça 17, ans. 17 ans wow. Puis il, il, il avait mentionné qu'un moment donné, il y avait une émission, puis je pense que c'était à 3 heures du matin, un ouais. mercredi. Tu sais, comme, il ouais. hey, faut que tu sois dévoué là, pour faire ah ça. Ah, ouais, ouais, hey, en, Je veux dire, en plein mois de février, monter ouais. euh, sur le Mont Royal pour oh aller à CISM God, dans la tour, ça, là. Quand il fait moins 20, tu reviens avec tes disques. <laughs> non, je l'ai vécu un petit peu à CIBL ça parce que j'avais une slot horaire euh, nocturne pour la musique électronique. Je comprends, je comprends ouais. le, non, mais le un dévouement mais c'est que ça l'aide. tu sais, des gars comme Daisby, tous ces gars là que, ouais. qui sont là ça fait longtemps ouais. C'est d'autres, mais tu sais là on parle de Fouki, on parle des gars qui jouent à la radio, mais pourquoi que c'est Puis je demande ça à tout le monde que je, que je parle qui sont dans, dans T'sais, moi, je, je nous vois un peu sur le côté. Toi, t'es es dans la ouais. grosse machine, right? Ouais. Fait que, genre, c'est quoi qui bloque? Pourquoi? Parce que les artistes qu qui passent ici, là, des fois, c'est comme. Ils font plus de chiffres que beaucoup d'artistes qui passent à la radio tout ouais. le temps, des affaires comme ça. Ouais. C'est quoi le blocage? Je pense que ça bloque moins qu'on pense. C'est-à-dire que, si on ouvre les radios commerciales, c'est bien sûr qu'ils joueront pas. Mais. Regardons ça autrement. Euh, les radios, euh, ces radios-là, se regardent annuellement. Ils jouent de moins en moins de musique, puis il y a plus en plus de jokes. C'est plus du talk radio, mais ils ont une licence pour faire jouer de la musique. Tu comprends Ouais. Euh, ils devraient en faire jouer plus. Puis ce n'est pas que la scène rap qui se plaint, mais c'est la scène musicale francophone au complet. Euh, ben, le noir joue pas tant que ça à la radio. Il n'y a pas à se plaindre, de toute façon. Ah il, il est oh, ouais, ils ont oh, ouais. mais, mais on reproche à ces radios-là. Par exemple, il y a des semaines où ils ne mettent pas de nouvelles chansons dans leur playlist parce qu'ils disent « Ah, mais il n'y en a pas assez. » Alors que des nouvelles chansons originales au Québec, en sort des tonnes et ouais. des tonnes. Ben, enfin, c'est une figure de style. Mais c'est pas vrai qu'il n'y a pas une nouvelle bonne chanson au Québec quel droit d'être ajouté sur une playlist dans une radio moi, commerciale. Moi, là, moi, ils ont-ils peur de prendre des risques? Ben, ben, en fait, je pense qu'ils sont assez conservateurs. Je, je pense qu'ils euh, ont... Euh, ils, sont, ils font face à l'inéluctable érosion d'un auditoire parce que euh, on va aller... Si on ne trouve pas la musique qu'on veut... On va aller l'écouter ailleurs que sur ces radios-là. Puis moi, je suis de cette génération, 100%. je disais, où on se passait des, des cassettes des Beastie Boys à cours d'école. Bon. Euh, L'idée que parce qu'on vieillit, puis qu'on s'achète une maison, puis qu'on a des enfants, puis qu'on arrête d'écouter de la musique cool, c'est faux. Il y a des gens de mon âge qui sont encore des fans de rap. It, hein? Puis s'ils l'entendent pas, cette musique-là sur les radios commerciales, ils ne l'écouteront pas, puis ils écouteront pas les pubs qui jouent sur ces... Tu comprends? Ouais. Il y a pour moi, il y a une déconnexion. Ça, un je suis d'accord avec là. toi que, que même la radio, je, je dis ça, puis je n'ai pas écouté de radio, ça fait tellement longtemps, tu sais. Ouais. Mais je me rappelle les années que j'écoutais la radio, puis exemple, on a mentionné la chicane. Shout-out la chicane. Big À ouais, ben, ben, ouais, un, un moment donné, un, 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 un 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 moment donné La maison, ok, c'est bon, bro. Il ouais. y avait aussi des bons, des bons tracks hip-hop qui sortaient, puis ça avait aucun play, tu sais. Puis quand je dis la radio, c'est pas juste la radio, mais tu sais, c'est plus le... le comme j'ai dit tantôt, ouais, la le machine. reste, la machine. Là, tu sais. Bon, mais ben, là, là, ça devient intéressant. On parlait de, des années 2000, qui étaient, je pense, une période creuse, là, pour, ouais. pas pour la création. Une des raisons, c'est mon, mon avis, ouais, ouais. Euh, une des raisons, c'est aussi qu'il euh, y avait... Ça prend pas juste des artistes, mais ça prend des gens derrière. Ça prend des managers. Ouais, ça, prend des facts. Ça prend des vrai. bookers. Prend... Et tout ce monde-là n'était pas encore professionnalisé ouais. assez. Il y avait, oui, une certaine crainte de la part des salles de spectacle d'organiser, de, de tenir des spectacles de hip-hop, la bataille. Mais c'était arrivé, moi je me souviens, là je vais donner l'exemple classique, j'avais des billets pour aller voir ce fameux show des Fugees au Métropolis. Okay. Et je n'ai pas pu rentrer parce que, bum rush de show, la police oh, était oui, arrivée. C'est ce fameux show-là. Euh, et donc, et sans, ça a acheté une douche froide un peu, oh non, ça va être un paquet de troubles. Comme, comme ça a été pour le punk aussi. Hein? Le, le, le hip-hop n'a pas été la seule scène qui a été ostracisée par, par ouais, euh, okay. le milieu. Mais et donc, je pense qu'il y avait une, une confiance à bâtir, mais du monde à professionnaliser. Et Steve Jolin, donc, euh, à nos dadgés, yes il, a, il a fondé son étiquette parce qu'il n'y a personne d'autre qui voulait. Lui a appris sur le tas ce que c'était. Il n'est pas devenu euh, membre du conseil d'administration de la disque. Euh, un an après avoir fondé sa business, il, il a fini par s'imposer dans cette business et donc il fait partie d'une génération et de musiciens, mais d'entrepreneurs de la scène rap 100%. qui ont compris comment ça marche parce que c'est plus compliqué que de Ah, oh, je vais louer ta salle puis je vais te faire. Tu as accès à des subventions, faut que tu te demandes des subventions. Il euh, y, y a toute une, une, une mécanique, mécanique de ouais. la production musical au Québec qu'il faut apprivoiser quand tu viens de l'extérieur. Totalement. Euh, surtout. Qui est différente. Et, qu et, qui est différente ouais. et qui, oui, qui est différente qu'ailleurs, mais qui est peut-être plus difficile à apprivoiser quand tu viens du rap parce que c'est une musique qui était encore incomprise. C'est qu'elle soit toute encore comprise aujourd'hui. Au moins, douille. ils comprennent qu'il y a de l'argent à faire. Hey, a... on... C'est très do-it-yourself le ouais. hip-hop. Tu comprends? Ouais. Ben oui. Fait que l'idée, exemple, des subventions, il y a beaucoup d'artistes qui sont. Pas besoin de subventions. Hein. Pourquoi j'aurais. Pourquoi... Et puis comme, là il y a des mentalités qui changent puis il y a du oui. monde qui réalise que hey, il y a de l'argent que je peux aller chercher et tout. mais en même temps j'ai toujours dit ça j'ai dit j'aimerais j'aurais aimé voir la game sans subvention juste voir si oui. le paysage serait différent c'est ce que oui. je veux dire oui. parce que exemple comme on parle souvent de la scène anglophone Mais c'est que des fois quand c'est scène sur... anglophone aussi -dire que tu parles... ça, fait, ça, ça comme ça débalance un peu comme tu sais, exemple, la scène francophone maintenant est super populaire. Tu faisais ici à Montréal. Oui, puis ouais, c'est anglophone... Il... Mais ce qui va ouais. arriver, c'est que j'en parlais off-camera avec notre ami qui est dans la salle. Je vais garder son nom. Big shout-out, big shout-out à la famille. Vous le savez déjà. Puis ce qui arrive, c'est qu'avec euh, les subventions, en fait, c'est qui arrive, c'est que les artistes doivent toujours sortir un album. C'est comme mm -hmm. il y a toujours un modèle qui se répète. On est rendu en 2023, puis peut-être maintenant. La stratégie, ça serait peut-être d'y aller single par single, ouais. puis de, de, de se développer en tant qu'artiste. Ouais. Mais ce qui arrive avec les artistes anglophones, c'est que eux, c'est ça qu'ils font. C'est que vu qu'ils sont pas dans le monde des subventions, ils sont pas obligés de faire un album, faire un run press, faire ta, t'sais, t'sais, la même game ouais. qu'on voit depuis peut-être beaucoup d'années, puis ouais, peut-être ouais. qu'il faudrait penser à faire différemment. mais Les artistes anglos, ils font. C'est peut-être pour ça qu'il y a un artiste, disons, comme Skyfall, des Nate Husser, ouais. et tout, peu à peu, ouais. font leur nom dans 100%. la scène, parce qu'ils ils se démarquent peut-être même des Inima qui sont en Europe, qui ont eu des démarches différentes. Mm -hmm. qui ont Là, tu, en tant qu'artiste, tu ne dépends pas des euh, subventions, puis tu as une approche de Chicken Mike Schaub. ouais C'est l'exemple parfait, Shab, de Do It Yourself. Do comprends? It Yourself. Mais, mais c'est juste, c'est ça. Puis, tu sais, aussi, le... le le système de subvention avec mais les producteurs. Si ça te simplement, de vas si vas vas lancer. Vas-y, euh, euh, vas-y. Les Anglos ont aussi droit à, à peu près aux mêmes subventions que nous. Euh, cest à par exemple, il y, y a... Factor. Euh, Factor, c'est oui. Musique Action au monde, tu vois. Mm -hmm. Et il y a... Ce ne sont pas forcément des subventions, mais il y a des aides à la production, à la diffusion. Tu peux aller voir, que tu sois anglo ou franco, le Conseil des arts euh, du, des l'aide du Québec, pour, pour que les artistes fassent... Des résidences de création. Il y, a, il y a des aides financières qui sont disponibles. Euh, et c'est sûr qu'au Québec, il y en a Un peu moins. davantage pour les, pour les francophones et moins pour les anglos. Mais il y en a pour les anglos aussi. Je pense que ce qui fait la différence, c'est qu'il euh, n'y a pas de marché euh, aussi grand ou potentiellement aussi grand pour le rap en anglais qu'en français, compte ben, tenu que. Ben, S'ils sont bons, s'ils sont bons, oui, Eminem a vendu, puis il, il rappe en anglais. Euh, mais le système de radio, enfin il n'y en a pas de radio. Virgin Radio, il y a des de radio, radios FM, il y a encore des hits qui naissent là-dessus, là, malheureusement. Là. Oui, mais y a, y a Moi, il y a des rappeurs. Moi, je suis convaincu qu'il y a des rappeurs anglophones d'ici ouais. qui, peuvent, qui peuvent vendre aussi. Puis, tu sais, c'est un peu comme la machine, que je parlais. T'sais, exemple, le système de subvention avec les ouais. producteurs reconnus. C'est comme à chaque année, si je comprends bien. Il y a un bague qui va à chaque label, tu sais, puis ça, c'est pour ton année, whatever it is. Mais aujourd'hui, on est dans une era où est-ce qu'il y a de plus en plus d'artistes qui sont des producteurs aussi, qui produisent leurs. Oui, alors, chaisent, mais là, qui tu touches à un musique. point, ça, c'est bien important. C'est ce que je veux dire, puis ouais. eux, ils n'ont pas nécessairement accès à tous ces budgets-là parce qu'ils ne sont pas. Euh, ça, tu as reconnus, entièrement raison. Ouais. Mais ils font toutes la même chose. Tu sais ouais. ce que je veux dire? Ouais. L'industrie est en train de changer. Fait que des fois, je ouais. trouve que. Le, le, le système ne bouge pas aussi vite. Mais... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Juste terminer juste oui. sur ça, là tu parles de, du statut d'artiste producteur ou d'autoproducteur oui. et tu, tu mets effectivement le doigt sur quelque chose de bien important et ça change. La SEDEC exact. Euh, va a, 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 trouver, oui voilà, adapter, débloquer une, une enveloppe budgétaire qui est destinée aux artistes autoproducteurs. Donc ça change et ça, c'est quelque chose qui était réclamé depuis longtemps par tout le monde de l'industrie. Parce que la plupart de ces gens-là, comme les anudaji ils ont été autoproducteurs ou ils n'étaient ouais. pas reconnus par la SEDEC, ils n'avaient pas accès aux subventions. Puis il y a des, des labels, des gens qui s'organisent des labels. ne fois, ça peut prendre cinq ans avant d'avoir accès à, à, à ces sommes-là, à ces subventions. Faut que tu produises tel nombre d'albums, effectivement, ouais. par année. Mais, mais ça change, c'est long, voilà. c'est une grande machine. C'est le gouvernement, ouais. tout ça, ça prend du temps. Voilà. Ça prend du temps à bouger, ah, c'est gros. Man said, I'm do it yourself, I'm yeah, hip hop. Yeah, yeah. Well, let's course, go, man let's change it. T'sais. Moi, je suis plus comme ça, mais c'est cool de voir au moins que ça change. Parce que la game change. Puis aujourd'hui, je pense que ça change tellement plus rapidement qu'avant, avec toutes les, toutes les façons. Les, Là, je ne sais pas si tu as vu l'histoire de. Ben, en parlant de monétisation, ouais. Pierre Lapointe. Il a fait un stand à propos ouais. de Spotify ouais. et tout, parce qu'il disait ouais. que les, ben, les, ces compagnies de distribution ne, re, ne redonnaient pas assez mm -hmm. aux artistes québécois mm -hmm. parce que notre ratio par rapport au marché n'est pas assez grand, puis comme yo. Ah ouais? ouais, ouais. Pas et, pas. Et, et après, a deux jours après, tu as Rhymes qui répondait en disant, « Moi, j'ai pas de problème avec euh, Spotify. Euh, Je fais des views. » Une fortune là-dessus, là, mais... Oui, hein? hein, ben mais. Mais attends, mais qu'est-ce que. C'est qui Pierre Lapointe Pierre, Pierre Lapointe. Pierre pointe quand il a dit ça, c'était quelque chose qui est, qui est comme. Euh... C'était pas la première fois. C'est vrai, qu'est-ce qu qu'il dit, qu'il y a un. un... C'est-tu une affaire que c'est clairement des chiffres que tu vois qui sont moins rémunérés ou... mais façon de dire, c'est que tu combats contre le monde. Ça veut dire, tant, la façon ouais. que le système de monétisation okay, de Spotify, oui. c'est okay, qu'il okay, okay, get okay, the bag, puis après ça, il le disperse entre les. Exact, so, so exact. Lui, est comme Yo. Moi, je compétitionne contre une, euh, disons une Katy Perry ou un. Tu okay, comprends? C'est parce que c'est ça. Dans le fond, il y a, y a raison dans le sens où il dit que les redevances de Spotify pour les auteurs. Comp enfin, là, il y a deux sur les, les auteurs-compositeurs-interprètes, puis il y a le, le master, le tape, l'enregistrement. En ouais. auteurs compositeur interprète c'est vrai que c'est bas, bon, mais il n'en tient qu'à la commission du droit d'auteur. D'imposer une hausse des tarifs. Euh, ici, euh, ces tarifs-là sont à 10% euh, euh, des revenus sur le, euh, le spin. Aux États-Unis, c'est rendu presque 15% et on a un écart de 5%. C'est pas grand-chose, on parle de fraction de scène, mais ça serait déjà. Ça s'accumule. Là et après, il y a toute la notion de, euh, comme tu l'expliquais, Spotify fait tant de revenus par année, il y a tant de streams qui ont été faits pour tant d'artistes, on split égal pour tout le monde. Et euh, on redistribue. Mais ce que ça veut dire, puisque dans le fond, c'est une fraction de scène. Tu sais, si tu regardes ouais. un rapport de Spotify, mais la fraction de scène n'est pas égale partout. Tu sais, des fois, est, parce qu'elle est arrondie au, au ouais. cinquième décimal, mais des fois, c'est un 2 au lieu d'un 1. Parce que ce n'est pas un taux fixe, c'est un on divise égal. OK, mais c'est pas... Et là, ça veut dire que si Drake sort un disque de 26 tonnes cette année-là, et que les 20 tonnes de Drake rangent parmi les plus écoutés, ouais. ça veut dire que pour tout, tout le reste le monde du monde, ça baisse. Ça baisse voilà, <laughs> c'est un peu ça. Dans le fond, Pierre Lapointe, il espère que Drake ne sorte pas d'album ouais. l'année où il sort. Sinon, le il ciel. veut un, un, mor un morceau du gâteau. Oui, Drake. oui. Tu vois, mais ce qui est drôle, c'est que tu as des artistes, par exemple, pour Roger aussi, il, a, il en a ouais. parlé, il est comme, regarde, euh, moi, je me plains pas, je me débrouille d'une autre manière. puis C'est des artistes indépendants ah, qui, ouais. qui, qui font des streams. C'est ouais, ouais. quand même assez spécial parce que des... Charlotte a pierre la pointe, mais il a quand même... Je pense on le voit sur la TV. Bien il a... sûr, oui, 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 bien Il a sûr. pas trop à se plaindre. Mais là. je pense que quand il dit ça, il ne parle pas seulement son nom. Je, je, ouais. mais je dites, trouve même et Wedding et Swift se plaignent de ça. Mais ce que j'ai trouvé spécial, c'est qu'il soit animateur d'un gars-là. Sponsorisé oui, par, Spot, par Spotify, par une plateforme de streaming. Oui, puis lui, c'est lui qui l'anime, puis il est contre ça. C'est-à-dire que, ah, oui, ouais. mais, bon, ouais, je <laughs> ça effectivement, mais oh, on, on aura remarqué a remarqué qu'il n'a pas répété cette euh, complainte durant l'animation de son gala ou durant la semaine. Ça, c'est une plainte qu'il avait faite une semaine avant l'animation du gala. Mais après, euh, moi, je respecte le fait qu'il qu prenne parole pour ça, même s'il est lié. À une association qui est la Disque, qui a choisi un euh, diffuseurs comme Spotify comme commanditaire. OK. Uh, so, est-ce que le fait peut-être d'avoir un distributeur québécois, ça serait quoi peut-être la solution à Ben, ça? enfin, il y en a un, c'est Cube. Cube, okay, hein? oui. Cube. Puis qui prétend mieux payer. Euh, mais après, peut-être qu'il peut dire qu'il paye mieux la fraction du stream. Mais dans le fond, la solution, c'est quand on dit. Euh, Spotify devrait payer deux fois plus les redevances. Ça ne sera pas possible. Parce que, euh, de la manière qu'ils calcule ça, c'est 70% de leurs revenus sont reversés. Puis les 30%, c'est pour recherche et développement, puis fonctionnement de la patente. C'est moins que ça en réalité. Bon. Mais si ça reste à 60%, le taux du stream va rester le même, la proportion du stream. Ce qu'il faudrait pour qu'ils doublent leurs revenu. Ça serait qu'il y ait deux fois plus de membership payant, deux fois plus de gens qui payent pour ce Spotify. Oui, c'est ça. Voilà, juste fais-toi du merch, Pierre Lapointe, you know? fais-toi <laughs> différents revenue streams, you know? parce que je ne pense pas que Spotify va changer mais le système. Y... Non, euh, non. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais, mais en fait, ce qui est, est, voilà, ce qui est regrettable, c'est qu'on est rendu à un, un système comme celui-là euh, qui appartient à une entreprise privée. Ouais. Dans, alors que la Soca, euh, qui, qui est une société de perception de redistribution de droits. Ce n'est pas une entreprise privée qui s'en met pas dans les poches. Euh, je pense que c'est cette idée-là qui aurait dû être imaginée. Ça aurait pris un Spotify public, dans le fond. Ouais. Et puis il y avait, enfin, là, on rentre dans des détails, mais il y avait dans les années 2000 l'idée de ce qu'on appelait une licence globale qui circulait. C'est-à-dire que euh, tout le monde paye un montant fixe, puis on redistribue. Euh, et on disait, bon ben imaginons que tous les internautes paient 50 par année, puis ça s'en va dans la petite caisse de la musique. Mais là, tu peux faire ce que tu veux. Tu l'eau des MP3, tu, en torrent, n'importe quoi. Tout le monde est redistribué. Puis on avait estimé à l'époque que même à 50 50, 60 par année, euh, les revenus de l'industrie de la musique enregistrée seraient supérieurs au plus grand pic de vente de CD. De la fin des années 90. Ah ouais? Hein? Ouais, c'est ça. ça. Et wow. pourtant, ça a été. Cette, cette, cette idée-là. C'est fou, était comme compliqué idée. à mettre en œuvre parce que là, il faut trouver ça comment fou, savoir paraît. à qui redistribuer toutes ces chansons-là qui circulent. Mais, en tout cas. Il y a eu d'autres options à envisager. Mais tu sais, ça, ouais. on, on parle de tout ça, que les redevances, tout ça, c'est moins qu'avant, puis tout. Mais aussi, en ce moment, en 2000, de, 2020, 2021, 2022, 2023, euh, on dit tous que c'est le meilleur temps pour le hip-hop québécois. Beaucoup de monde dit ça, ouais. c'est le meilleur era. On a parlé d'un Golden Era là, des, des, début ouais, des ouais, années ouais, 2000. Ben oui. Mais aujourd'hui, on dirait que c'est encore plus. On dirait qu'il y a plus de, de, ouais. de fans, il y a plus de fanatiques, il y a plus, plus, de, y a qui... plus de, de créateurs encore, plus de gens qui s'investissent dans cette scène-là. Et euh, je veux dire, plus il y a de gens qui y participent, euh, plus on a de chances de trouver des vrais bons talents aussi. C'est la, la loi du nombre rendue là. Mais oui, il y a... C'est quelque chose qu'on qu a vu arriver depuis presque dix ans, finalement. Il y a des graines qui ont été plantées où là, on fait « Oh wow, quelque chose de sérieux qui s'en vient. » OK, c'est quoi, bien quoi bien. les choses que tu voyais, toi, back in the days? Ben moi, tu vois, dans les années 2000, j'ai... Moi, je suis un fan de mosaïne bon. Puis quand ils n'ont jamais arrêté, ils sont toujours ensemble, ils n'ont juste rien fait. Euh, <laughs> Puis là, il y avait dramatique qui sortait ses disques dans les années 2000, yep. c'était écœurant, pendant en peu puis ça n'arrivait pas euh, dans, dans le sens break, break ouais. au, euh, mainstream, un mainstream, un ouais. euh, qui avait ouais. été signé même puis a, a, il y en, il en fait France, en. il faisait des bons disques encore puis ça n'arrivait pas et tout pis. et j, là je suis obligé de dire que il y a un peu de la euh, comment dire euh, l'intelligentsia des gens comme moi qui ont vu arriver quelque chose comme l'album 4,99 d'Anna-Claire ensemble. Puis là, ils ont fait Ah, quelque chose là, qui se passe aussi. Une sorte de hip hop, un peu chant gauche. cest ouais. qu à qu'à l'époque, on sortait aussi, c'était le début du trap, mais on sortait surtout de, de plusieurs années de, de ce son Rick Ross, puis 50 Cent. Ouais. C'était bon quand ça allait dans le club, mais ça devenait un peu monolithique, je trouve. Et sortait. un album comme Fidiver, hein, moi, de moi. oui oui bon ben oui alors lui c'est une plume dans le fond Là, on reconnaissait qu'il y avait des, tu sais, des gens qui avaient ce talent puis qui avaient aussi une, des histoires à raconter euh, à la claire ensemble c'était un peu pour moi la suite de TTC en France ouais. puis de, tout ce, ce « cloud rap » avant le « sound cloud », dans le fond, mmh. l'espèce le, de, de, de vraiment « rap champ gauche ». Voix de fée, qu'est-ce que j'ai dit Oui, ouais, c'est ça, voix de ouais, fée. fée c'est c'était un, un titre okay. un, yeah. que je pensais... Yeah. Et, 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 et là, il y avait quelque chose d'original. Il y avait quelque chose de singulier. On ne comprenait pas tout ce qu'il disait euh, parce qu'il utilisait des, des, des images qui étaient ne nous étaient pas inconnues. Probablement un tas d'inside jokes qui venait avec ça. Ouais. Mais il y avait, sur le plan de la production, il y avait... Euh, y il avait, y avait une singularité là puis on se disait, ah oui puis ensuite est arrivé bon les dead O'Bees, bees larry oui. just yeah. là tout d'un coup on s'est dit ok larry Readjust était formidable parce que là on était dans le trap aux États-Unis puis il y en avait peu qui en faisaient ici je trouve bien Et aussi bien ouais c'est ça les, eux c'est comme tu sais quand ils rap c'est des naturels c'est ça mais, mais la production en arrière ouais. tu pouvais comparer ça à ce qui se faisait aux États-Unis puis se dire waouh non seulement c'était bon mais c'était à l'avant-garde de ce qui se faisait en France parce qu'eux autres, à mon humble avis, ils étaient encore restés accrochés sur 50 Cent. Ouais. Dans le, rendu au début des années 2000, là, ils n'avaient pas pris ce virage-là encore. Ouais. Euh, et, et là, il y avait quelque chose de fresh, puis tu te dis, inévitablement. Parce que là, après, il y a, il y a moi de ma génération qui veut, à mon âge, euh, écouter du rap encore, mais il y a des plus jeunes qui ont accroché sur le rap. Eux autres aussi, s'en viennent. Les autres aussi, ils n'ont pas envie. D'écouter Roxane Bruno à radio. Je m'excuse, je euh, <laughs> suis de fille. mais je euh, Ils n'ont pas, you know, pas envie d'écouter ça. Ils veulent écouter euh, Shreez. Exact. Il est où Shreez? Il est où C'est ça, je me demande, moi. T'as vu quand que je. Okay. Attends, si je peux me permettre. Il oui. est où Inima? Il est où? Oui. Bon, en fait. Oui, Inima. Un artiste qui est le plus streamé. Il <laughs> n'est pas au Québec. Il est 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 pas, pas au Québec. Québec. Ah. Ben, en fait, il est, est streamé au Québec, mais physiquement, il est chez lui, pas au Québec. Oui, mais Céline était loin aussi à Las Vegas. Oui, Céline vrai, ouais, elle elle était loin. Était, elle c'est vrai. Elle pas, pas à Montréal, mais elle, était, okay, elle, okay. Avait un, elle avait un rhume, puis on en parlait. Non? Oui. Vrai? Mais moi, je pense qu'exemple, un gars... OK, on va commencer avec le, le, le étape 1. Exemple, un gars comme Shreeze, tu as oui. mentionné. Moi, quand que je vois des, tout le monde en parle, des ci, oui. des ça, je suis comme, yo, pourquoi Shreeze n'est pas là? C'est sûr qu'il fait les chiffres, puis... Il right. a la personnalité. Like, pour moi, c'est une de nos stars. Right? Mm -hmm. puis quand on parle que c'est une de nos stars, je ne parle pas juste dans notre scène. Lui, oui. il pourrait être à côté de toutes les, les vedettes québécoises. Puis je trouve qu'ils ont leur place. Définitivement, ouais. un vrai, gars comme Lost. Un gars comme, un comme, gars comme Lost aussi. Euh, il ouais, y a plein, plein de, de gars. gars. On peut mais mais, mais tu as vu, quand tu dis Anima, oui, il y a la controverse qui vient avec son nom, puis tout ça, puis whatever. Je ne sais pas si c'est fondé ou pas, mais à la fin, il fait les chiffres. Est-ce que tu penses ouais. que c'est fondé ou pas? Je veux dire, les controverses. Le fait que sa controverse pèse plus sur le fait que. il le, si pète les chiffres. Là, corrigez-moi, mais euh, pour ce que j'en sais, il euh, y a un mandat d'arrestation pour lui encore en ce moment? Je ne sais pas. Ben c'est public, ça. C'est ce qui a été demandé. Mais si, alors, si c'est le cas, ça expliquerait pourquoi il ne revient pas? Oui, non il y, y a quelque mais chose. ce que là, je veux y, dire c'est que est-ce un... que est l'artiste prend plus la personne prend plus le poids que ouais. que l'art. Ben, en, fait, rec... re... en fait, je Je reconnais qu'il y a des chiffres. Je reconnais qu'il y a des chiffres. Après on peut discuter de, de la valeur de l'art. Moi c'est Céline... non mais dans le sens que Céline Dion fait des chiffres aussi. J'aime pas Céline Dion. j'ai ah ouais, vu, mais... vu ton tweet. Ben oui c oui voilà c'est ça C'était à propos <rire> de <rire> Dennis Brown oui mais, mais... Euh, je veux dire, c'est ouais, pas parce qu'on rit que c'est drôle. C'est une expression qui veut dire. C'est ce pas parce que, que, que McDonald's dis. a le plus de restaurants à travers le monde qui font bien à manger. Mmh. Mais, mais juste quand, ça, je veux tu dire. quand tu vois le ratio, disons, un ouais. gars comme Inima, il y a Soldier qui est là, il y a Loud ouais. aussi, Corias, Fouki. Ouais. Donc tu vois l'importance le, le, qu'ils ont parmi les artistes les plus streamés. Absolument. Tu sais, c'est des chiffres. Absolument. Tu peux pas les tromper. Donc, oui, tu peux les tromper. Cela dit, tu peux les tromper. Tu peux t'acheter des clics. Ça, oui, ça, ça, ouais. ça c'est un problème tu peux, tu... dans un tas de business, c'est un okay. problème chez les, chez les influenceurs. Euh, tout le monde qui font des contenus, même si tu vends quelque chose sur Internet, tu peux t'acheter des clics pour avoir plus de cloud tout Mais c'est vrai dans le rap, il y avait d'ailleurs un reportage sur France 2 euh, la ah. semaine dernière. Qui parlait de ce problème-là, parce que ça, on l'entend, enfin, je ne me souviens plus qu'il l'a dit ici, mais en France, dans les tracks, ils le disent Ah ouais, tu achètes des clips. Ben ouais. Ils se disent <laughs> comme ça. Là, parce <laughs> que donc, donc ça s'achète Totalement, ça, parce une... qu'en euh, France, eux aussi, ils ont quand même l'importance de la première semaine de vente. Oui, oui, oui. Tu oui, vois, oui, donc oui. eux, chaque artiste, après une semaine, tu vois, ils te oui. comparent. Ici, on n'a pas vraiment ça au Québec. As pas, on ne voit pas le nombre de ventes. Je pense nombre. exemple, quand on pense au State, moi, mm -hmm, toujours okay. grandi là, c'était euh, toujours grandi sur ce rap-là. C'était business. Qui qui bump, bump. Lui qui, qui fait les chiffres. qui goes platinum, triple, comme c'est lui qu'on que met l'emphase dessus. Mais au Québec, on dirait. Je pense que c'est différent. C'est L'industrie en général. Je sais pas. Je pense qu'on ne peut pas la comparer mais ailleurs. Est, mais est-ce que c'est le, le peut-être les le, la façon de le. Le voir qui est différent, parce que les médias là-bas, ils mettent une importance incroyable. Ouais. Ici, on n'entend entend ventes. jamais. Sur les ventes, ici, on n'a jamais entendu parler. À part qu'on le demande vraiment. Ouais. tu sais jamais c'est quoi la, la première vente de soja ou de Suisse, les ouais. artistes, on ne sait pas. C'est quoi les Il avait un dossier un moment donné. On, mais on ouais. va se baser, oh, tes vues sont fakes, tes streams peuvent être fakes, mais ok, mais est-ce qu'on a accès à ces chiffres-là Ah oui, mais ça, je dit, on a accès. Ben, oui, okay. ben, L'Inde va aller sur le site de. De la disque, il y a une partie des chiffres là, qui sont. Enfin, le, le, le palmarès, le, je ne sais pas quoi, les 20 premières positions. Ça, c'est sûr Il y a SoundScan, tu peux aller sur le site de SoundScan. Oui, mais je ne pense pas qu'on a accès. À mais je pense le... que le, le détail des chiffres, c'est payant, là, les gens de l'industrie. Ouais, c'est Mais il y a un palmarès sommaire. Qui... Mais, euh, mais, mais c'est une belle observation que tu fais parce que, par exemple, qui est numéro un palmarès radio cette semaine J'en ai aucune idée. Alors qu'aux États-Unis, faire un numéro un billboard, euh, en Angleterre, faire le numéro. C'est prestigieux. Hein, C'est un événement. Of course. Alors qu'ici, euh, je, je pense que ça en dit davantage sur à quel point euh, l'auditoire n'est pas homogène, il est fracturé. Ça ne veut rien dire à personne que Nicolas Chicone soit numéro un. Puis encore là, je nomme des noms... Euh, oh ouais. euh, je ne veux pas les 10 sur <rire> non, non, <rire> <tu non>. Enfin. <laughs> J'aime pas Nicolas ni connais par ailleurs. C'est un gentil garçon, mais c'est pas de la musique que j'écoute chez nous. Mais c'est pas important. C'est pas important. C'est pas mais important. Est, on n'a pas vraiment les metrics. Tu vois, ouais. c'est ça. On n'a pas vraiment. Mais là, quelqu'un avait sorti ce, 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 ce post-là de Anima qui avait le plus de streams, ouais. euh, je sais pas quoi, en 2021, ou si je ne me trompe pas, ou qui était dans les tops au Québec. T'sais. Puis comme. Alors, don't ne moi je trouve que... Mais tu voudrais quoi? Tu voudrais qu'on qu'on qu parle davantage de lui. 100%. Plus ouais. de reconnaissance. Pas pas. Ouais, okay. Moi, quand que... Parce que check, as tu as déjà fait une critique d'un album d'Enima? Euh, non, je n'ai pas fait... Enfin, j'essaie de me souvenir. Je pense que non. Mais maintenant qu'il est signé chez euh, Studio Capital, merci. Hein? Euh, J'ai hâte d'entendre le prochain album. Euh, ensuite... Il y a tellement d'albums qui sortent que. Non, pas pas le mais Normal. ce que je veux dire aussi, c'est que les choix se basent sur des trucs qu'on aime ou qu'on n'aime pas. OK. Euh, Puis, pour être bien honnête avec vous, des euh, rappeurs, Enima ou d'autres, qui me parlent de bitch money, ça m'intéresse moins. C'est fair. Si c'est pas, pas ton vibe Parce que j'ai j'ai le mais ai est... devoir de parler si Céline Dion sort un disque ouais. j'ai pas le choix d'en faire la critique puis si j'aime pas ça j'ai dire il n'y a pas que il y a pas tu sais je veux pas sortir de nom je suis ouais. pas là tu sais on va pas il pas, Regarde, le dire, il il y pas le dire seul, seul à dire. le, seul à pas il il pas le seul dire moi je les textes de certains rappeurs à Montréal moi je mentionne ça je mentionne ça parce que comme je te dis tu nous moi c'est la génération là je suis outside tu quand que je suis outside les autos qui passent il joue du anima ouais. c'est ça qui bon ah, oui, 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 oui. exemple je rose des concerts oui. quand que je mentionne anima à la foule c'est pas la même réaction puis c'est oui. pas pour moi c'est comme une réaction que j'ai mentionné à un artiste international oui. tu je le vois qu'il y a comme un, il y a un engouement tu oui. c'est réel c'est juste des fois c'est pas toujours reflété puis ok c'est y a peut-être mais t'sais, t'sais pas mais, mais je suis curieux quand même parce que qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui justifie ça ces, ces chiffres là parce que là, à vous entendre, je, je pense qu'il mérite euh, qu'on reconnaisse qu'il y a ce succès-là ici. Je pense que c'est un mélange de storytelling avec ouais. un mélange de talent, ouais. puis de timing. De storytelling, bien sûr. Ouais, ok. Parce que tu vois un artiste, tu vois son parcours, ouais. tu vois d'où ça part. Je pense que le fait qu'il ait quitté le Québec ouais. on a aidé à sa carrière parce que ça donne un certain mystère au truc autant que Booba a quitté la France est allé à Miami. Oui, mais enfin après ça, ça. Ouais, okay. Donc je pense que c'est ça. Le gars, il, il a une histoire derrière lui, ouais. puis qui il, il poursuit un dream. Autant que je pense que c'est ça. Et même même comme on. on puis il y a du a talent, mentionné. il fait de la bonne musique. Façon de dire, si t es, t as un bon story puis que ta musique est pas bonne, le gars il, il travaille, il fait de la bonne musique, tu ouais. le vois dans le streaming. Mais toute l'histoire, tu qui est en train de parcourir maintenant en Europe, qui, qui on le voit dans des médias, so, c'est un peu le rêve de n'importe quel rappeur ouais. de make it puis d'aller en France puis de comme against all the odds en est 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 indépendant est-ce qu'il fait des des Est-ce qu'il y a des en France oui, avec ben, du oui, ouais, ouais. ben oui ben oui ben oui ben ouais, oui ben oui il est en train de de ce que j'entends là c'est il y a des belles choses Parce qui se passent en fait après je compare je regarde ça aller puis je me dis roger, c'est lui le king de la collaboration avec les Français. Oh, ben mais, yo, Big Charente en j un King, c'est sûr. c'est un King. Moi, je n'ai pas 100%. entendu Alpha One faire un feat sur une traque de, d'Anima. De, Est-ce que je me demande Non, non, non? mais ce n'est pas, pas pareil. Ouais. Je pense que ça s'en vient. Il a fait des feats avec euh, Norsace. Il a fait un feat avec PLK. Okay, okay. PLK ouais, qui okay. est une superstar. Sure. Euh, il y a un, un track avec Kobaladé aussi. Okay. Donc, euh, il, ça s'en vient. Si Capitole l'ont pris, je pense qu'il... Ouais. Non, non, ça je, ça, je pense que ça va venir pour Anima. Puis, tu sais, moi, c'est plus comme... Comme un gars comme je je suis content qu'il ait signé avec Septième 7e ciel parce que je sais que maintenant, il, est, ouais. il va avoir le mainstream coverage qu'il mérite. Mais c'est... Avant d'avoir le mainstream, c'est un peu le même move que euh, tous les gars de 514, euh, de 514, 514. Ont fait, en fait, en travaillant avec Joyride, c'est qu'il arrive à un moment donné où tu atteins euh, euh, une... Une reconnaissance, des streams, une notoriété, que tu ne peux plus tout faire tout seul. Tu es obligé de t'entourer de gens ouais. qui sont des professionnels de ça, puis qui vont pouvoir te permettre de prendre ton projet puis de l'amener au prochain niveau. Puis je pense que c'est la réalisation que Shreese et euh, Canicule euh, Records ont faite. Il on, y a un buzz sur nous. Mais on ne peut pas faire notre booking puis nous manager. Non, exactement. Puis faire les deals avec Believe. Puis on peut pas. Ça nous ouais. prend. Non, non puis Steve, il y, y a sa business ce qui, arrive, qui roule c'est que les que les labels. Yo, big shout à tout le monde, on parle. Oh, ouais, on j'en suis un, t'en podcast là. C'est Puis ce qui est cool avec un, un label comme Septième euh, Ciel, c'est qu'ils vont te permettre de maximiser au Québec. Il n'y a personne ouais. de mieux qu'Anno Dodger pour te montrer les, les portes du Québec et ouais. de maximiser. Ouais. sais Ensuite, là, au niveau de l'Europe, il y a beaucoup... Les artistes veulent sortir d'ici. Ils veulent viser des nouveaux marchés. Ouais. C'est là que je pense que la, la, le, les artistes indépendants peuvent aller chercher peut-être par eux-mêmes d'une manière plus rapide. Roger un Roger parfait. et un Enima sont l'exemple parfait. Parce que ces deux ouais. artistes indépendants qui sont capables d'aller dire yo moi je bombe pas l'extérieur enfin animal il, il est plus euh, indépendant mais je pense je, je, moi j'ai un truc que je surveille pour l'an prochain c'est Easy yes. yeah. j'ai très mmh. hâte de voir parce que là il a signé avec euh, Universal Canada voilà c'est ça mais il y, a, je veux dire, il, y a, il y a une passerelle là tout de suite yeah bien sûr c'est Universal ouais. alors j'ai hâte de voir si ça va débouché. J'espère pour lui que ça va déboucher, comme je souhaite le succès à, à Enima, puis Brody, puis euh, tout ce monde-là. Euh, mais, si je prends l'exemple de, de Loud. Bon, Loud, ouais. il était rendu en haut de la, de la chaîne alimentaire de, du rap québécois. Il est allé en France. Il a trouvé une forme de public là-bas. C'était pas, pas SCH, là. Euh, c'est pas. Jules, c'est pas, oh, pas ouais. big comme ça. Là, ouais, mais même si tu peux te faire un petit cult following en commençant, puis tu, tu fais tes tournées, et tout mais ça, mais ça, ça s'améliore. Mais est tellement gros que même un petit cult following, ça vaut, ça vaut la peine de le faire. Puis c'est enfin, ce que j'espère que tous ces rappeurs-là vont au moins se trouver une niche, parce que vous le voyez comme moi, la, la scène rap en France, là, à chaque semaine, il y en a un nouveau hot qui apparaît. Fou. Pourquoi ça ne serait pas un Québécois Là, c'est assez ouvert pour les Belges. Ouais. Là, bon Damso ben c'est de, devenu un big mais c'est mais la mairie en... c'est la proximité tu vois quand les artistes français ils viennent ici ils viennent à Montréal mais ils veulent aller à New York ils veulent ouais. visiter les States ouais. <laughs> parce que on est on est les Français d'Amérique mais je pense que je pense que les gars sont en train de montrer vraiment que quand tu vas là puis tu passes du temps comme exemple Roger c'est l'exemple parfait parce que même Charade euh, Jay the Prince qui travaille avec Mike Zop qui me disait « man « Rojay is the guy, man, in France. On est allé, pis, avec le, le, le vidéo, je pense, de, de GOAT qu'ils ont fait, mm -hmm. tu sais. Puis il y avait juste, ils mentionnaient juste que yo, Rojay, man, t'as besoin de quelque chose là-bas, Rojay, là. Roger, là ouais, ça a l'air d'être le fixeur de tout je le trouvais monde. ça. Yeah, yeah. Je trouvais ça tellement dope de voir que yo, les gars sont en sont, There's a bigger mission at hand, là. T'sais, tout le monde s'entraide, tout le monde se donne des petits areos mm -hmm. pour faire avancer les choses. Puis c'est cool de voir que les gars se déplacent, puis ils vont. Yeah, il y a aussi une belle scène ici, underground, qui est en train de se développer. 100%. Parce qu'on est passé d'une époque, disons, de 2016 à 2022. Mais mm. maintenant, tu sais, les, les dead de d'aujourd'hui, de les, les LLA et tout, ils sont en train de se former. Donc, il faut. Est-ce que tu est es toujours motivé à aller chercher les, les nouveaux artistes d'aujourd'hui ah, ouais. Ouais? ah, ben oui, ben oui. Ben oui. Hein? Ben oui, puis j'apprécie quand on. Quand avec des Juste approcher le micro. Euh, J'apprécie quand on me contacte avec des projets, on fait Ah oui, écoute ça. Euh, euh, oui, oui. Oui, oui. Y a y a on, carbure, des... on carbure, on carbure. tu des sleeper picks euh, de Philippe Renaud, genre Underground oh Plus qu'on connaîtrait pas? Ou... Écoute, il y a un truc que j'attends. Je, ben, je sais même pas si vous le connaissez, s'il est connu. Il vient un peu de la même gang que Skyfall, là, okay. euh, NDG et tout. C'est Picasso son nom. Sais-tu Ricky Picasso, comme on dit? Il y a un okay, disque qui s'en vient okay. euh, 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 d'ici euh, l'été. Okay, okay. Ricky Picasso. Ouais, okay. C'est un jeune, euh, 21-22 ans, euh, en anglais. Euh, c'est Picasso? Je pense que c'est Ricky. Ce, J'ai mm. aucune mémoire des noms, mais Picasso, c'est son nom. Dans la clique à, à Skyfall. Euh, Vient de la même gang, euh, il enregistre chez Paul Carniello. Oh, ouais, ok. C'est euh, uh, Harmonic, même. Oui, c'est ça, mais qui fait, du, qui fait ouais. du. Enfin, il enregistre des trucs de reggae, de funk, oh, oui, oui. fait du RB. Euh, puis lui a monté, Paul Carniello a monté le studio de ce centre communautaire dont le nom m'échappe, dans lequel Skyfall a enregistré. Okay, c'est nice. ça. ça. Donc la connexion s'est faite là, puis il a dit, ben, c'est bon, viens ten dans mon studio. Je suis un peu curieux d'entendre de, ce que ça va dire. Malade. Agatha, tu as parlé de Easy S, qui ouais. devrait sortir un album Espérons en ouais. 2023. Yes. Y a-t-il des albums que tu attends pour la prochaine année? Disons mm -hmm. hip-hop, puis si tu veux sortir un peu de l'arbrange du hip-hop, vas-y. Eh ben, je ne yeah. sais pas. C'est drôle parce qu'à chaque début d'année, je dois faire une sorte de liste ou un texte pour qu'est-ce qui s'en vient. Euh, mm -hmm. Là, j'ai fait un texte, bon, c'était sur le jazz puis euh, les musiques euh, global justement. Euh, ça devient de plus en plus difficile d'identifier, d'avoir un calendrier clair de ce qui s'en vient. pour les Oui, y a des gros artistes qui se préparent, mais on va de plus en plus vers le release. Euh, mon disque sort la semaine prochaine. Ouais, c'est déjà euh, inentendu. C'est un des disques que j'ai beaucoup aimé. Ouais, euh, Il y a une rappeuse britannique, Little Sims. Euh, qui travaille oui. avec Inflow, qui est le gars d'un espèce de projet mystérieux. Je connais le nom, j'ai vu ça. Magnifique album. Okay. C'est toute une rappeuse, cette fille-là. Euh, elle a annoncé son disque, euh, de, qui est surtout au mois de décembre, mi-décembre. J'ai un disque qui s'en vient dans cinq jours. Fait que ça devient difficile de dire. Euh, okay. euh, je, je veux bien dire que j'attends, euh, je sais pas moi, le, le prochain Young Thug, là, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir. tes tu un fan de Young Thug? Ben oui, moi je, moi, je suis un fan, <laughs> un fan de, de Young Gucci. Thug. Ah, ouais. avant Young <laughs> Thug, ouais, j'étais un gros fan de ça. Mais je trouve que tout ce monde-là, plus, plus en vieillissant, plus ils deviennent euh, un, un formatés. Ouais, On perd un peu de la folie des, des premiers Split. albums. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Young Thug, il était pété au début. Ah, euh, ouais, moi, hein? j'étais un, un gros fan. Ouais, J'aimerais dire que j'attends ça, mais... C'est la même savoir, chose pour Eminem. Ouais. Eminem, j'attends plus rien, mais... Y <laughs> a euh... tu switch façon de dire est-ce que dire? mieux le, le, le Slim Shady d'avant quand il était fucked up ah oh, en ben fait ça, en fait, euh... je, enfin je suis ravi qu'il se porte mieux là euh, je dire, ça euh, qui arrive, mais ouais. mais ouais, euh, je, je pense je pense que le comment dire il y en a moins il y a moins de choses intéressantes à nous dire qu'il l'avait à l'époque de Slim Shady puis il était, il était risqué il était dangereux il y avait ce personnage euh, puis il a dit, enfin, il, a, il a dit des affaires aussi qui ont été controversées Ouais. Euh, quelqu'un avait posté tantôt, parce que quand j'ai posé ça, quelqu'un a, a posté que genre c'était aussi l'époque. Lui, ouais. il était un peu comme contre tout ce qui est pop, tout ce qui est euh, ouais. traditionnel, puis en même temps, genre South Park commençait à blow-up, comme toutes les... Il ouais. y avait plein de différentes émissions qui étaient un peu controversées, qui, qui marchaient en même temps. Ça ouais, provo provoquait t'sais. moins, dans le sens qu'on on avait un seuil de tolérance un petit peu plus élevé. Donc ouais, aujourd'hui, aujourd c'est plus aujourd délicat. Là, là aujourd'hui, ouais. on ne peut rien dire aujourd'hui, ouais. Moi, je ne sais pas, mais moi euh, c est, c est... Si, si, si je te dis, OK, j'ai une question pour toi. Si je te dis C'est rendu trop woke pour toi Ouais, c'est trop woke. <laughs> 2023, way too woke for me, man. Way too woke. Pas peur de le dire. tu um, sais, on a mentionné Céline Dion tantôt, tu sais. Ouais. Puis avec ton petit tweet que tu étais comme ouais. shh, euh, Je me rappelle plus du nom de l'artiste. En fait, c'est Dennis Brown, je Parce... pense, mais c'était l'artiste jamaïcain, c'était parce qu'ils ont, right? qui ont fait la liste, fait la liste, c'est qui les Jamaïcains dans la liste? Puis le numéro un, c'était Dennis Brown. Je me suis dit, je un fan de Dennis Brown, je suis un fan de reggae. Et là, je, là, je faisais le... Ah, mais Dennis Brown est un meilleur chanteur que Céline Dion qui n'est pas dans le top 200. Top, top 200 ben, oui, 100, voilà c'est ça. C est c est ça. Top top. Bro, ils n'ont pas mis Céline. Je, ben, je ben, suis euh, d'accord, j'approuve. Euh, t'es vraiment ouais. pas dans avec Céline comme non, ça? Non, non, non. Pire pas dans que... le top 200. Oui, oui. Ben, moi, je, je, je ne suis pas un anti-Céline dans le sens que ça ne m'irrite pas. <laughs> Je veux dire, il y a des ouais, gens qui ne sont attends, pas capables de l'écouter chanter, qui n'aiment pas sa voix. Moi, je, je, elle ne me dérange pas, sa voix. ça, ouais, c'est les top 200 chanteurs, right? C'est là qu'elle mérite Il n'y pas, pas 200, 200 chanteuses 200, fait... Euh, Moi, je pense qu'il y en a d'autres qui méritent leur place. Est-ce que, dans le fond, voyons ça, il deux façons de le voir. <laughs> Est-ce qu'on peut concevoir que dans le monde, il n'y ait pas 200 meilleurs chanteurs ou chanteuses, des hommes et des femmes, que Céline Dion je pense que c'est concevable mais tu vas pas il y a certains artistes je me rappelle ouais, plus des noms que tu vas mettre avant oui. Céline Dion oui, après ça, faudrait, T'sais, on je pourrait je se je mettre à jouer. De... Mais est-ce qu'il y a des artistes dans cette liste-là qui ne mériteraient pas d'être dans le top 200 je, Oui, je suis absolument d'accord. Je ne remplacerai pas un artiste pour mettre Céline Dion pour autant. Je remplacerai un artiste pour en mettre un autre. Mais c'est okay. mais, 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 monsieur, que okay, c'est vraiment pas Attends, pas Céline Dion, ça. Gars. Attendez, attendez. Vas -y, vas -y, dans le fond, là, soyez honnête. Okay? <laughs> Mettons que Céline Dion l'avait mis en 199e. Elle aurait été dans le top 200. Vous seriez là en train de vous plaindre Elle aurait été dans le top 10. Ben oui, bon, alors c'est ça, dans le fond, le problème, ben c'est même pas qu'elle soit pas okay, dans le attends, top 200. C'est qu'elle n'est pas numéro 1. Oui. Même pas, mais... 10, eh, Whitney was top 10, right? But, but Rihanna, 23. Rihanna non, 86, je pense, Michael Jackson, chose comme ça. <laughs> ben, Céline Dion, elle chante mieux que Rihanna. Come on, bro. Elle a une meilleure voix. Ah, ben alors, c'est ça. Comment est-ce que on, on... Quels sont les critères d'appréciation? Okay. Tu sais, par exemple, exemple. écouté plus ouais. Work, Work, Work de Rihanna que Je de -de -de danse ouais. dans ma tête de Céline Dion. Oui. like, si on parle de voix. Ben, moi, je veux pure euh, voice je, talent. Moi, je mettrais Julie Snyder face à et Philippe Renault. <laughs> Julie Snyder <laughs> était là. là en train de se <laughs> elle me plaindre. Hein, on, on mettrait trop. les deux l'un contre <laughs> l'autre. Mais, regarde. Prenons ça autrement, est-ce que moi je, 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 je dirais que Richard Desjardins est un meilleur chanteur que Nicolas Chiconé pour taper sur son clou? Sur le plan strictement des capacités vocales, il n'y a aucun doute que Ticoné euh, a un timbre de voix soyeux, puis il chante. Alors que Richard Desjardins, une sorte de chanteur country, à la voix éraillée. Euh, C'est pas lui qu'on va entendre chanter Minute Chrétien, maintenant. Ok. Sauf que... Est-ce qu'on juge la qualité d'un chanteur simplement à euh, ses capacités physiques et athlétiques? Ou on reconnaît recon aussi son on talent d'interprète Qu'on s'est rendu que même des gens qui n'écoutent qui pas ta langue t'apprécient. Oui. Ta oui. hey Céline, c'est l'icône numéro 1. Oui. Je suis en train de sonner comme Québécois. un Céline Stan. Oui. Genre, genre, ouais, ouais, je peux pas de Céline comme ça, là. Tout le monde kiffe. Ma mère, M. Céline, genre, ben non. Comment tu. C'est un icône, même au States. Yo, get well, Céline. 20. We love you, Céline. Ok, mais là, pas dans ton, si tu ne l'as même pas dans ton top 20, je comprends que c'est ton goût personnel. Parce que pour moi. Oui, c'est ça. ça. Oui, c'est plus un, si un, un personnel. top 20, Je comprends, mais est-ce obligé. Si c'est logique, même au niveau euh, comme impact mondial sur ouais. les gens, Ben non, Céline. Elle... Mais c'est -ce ça, dans fond, quels sont les critères par lesquels C'est les Rolling Stones. Mm -hmm. Tu es le mieux placé que moi pour me dire c'est quoi l'impact de Rolling Stones sur le. Mais moi, après, non, mais alors ça, c'est intéressant. Là, tu me parles d'impact. Moi, je, je, je te répondrai que Céline Dion a peut-être fait un grand disque, qui est son album avec Jean-Jacques Goldman, c'est-à-dire en tant qu'œuvre, en tant que okay. euh, corpus de chansons. Okay. Et il l'a fait en français. Sinon, ses albums, euh, c'est des bons singles sur des disques euh, qui sont peu mémorables. Je, moi, j'aimerais. Non, mais je, je, je non, pense qu'elle est capable. Hey, dire dire là, je suis brutal. Là, oh, alors, elle est ouais, loin les. du rap. Mais je pense qu'elle est capable de nous servir le disque de sa carrière. Cet album, son disque avec toutes des bonnes tunes Tu sais, son, je ne sais pas quoi. mais... Son... Hey, même, il y a des rappeurs ici qui oui. on leur demandent c'est avec qui que tu voudrais faire un feat. Ouais, ils nous sortent Céline Dion. Céline Dion, okay. <laughs> comme, what? Les anticipateurs. Céline Dion. Tu bon. euh, Magnum, c'est venu. C'est ça que... Ouais. Céline qu Dion. Céline Dion. Legend. Shout-out R.V. Le magazine des night. haters, là, c'est ça? <laughs> non, non, ça mais <laughs> non, 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 c'est juste... Euh, c'est intéressant, <laughs> mais je respecte. Je respecte que tu, tu stick by your gun. Je tiens quand même à dire, c'est pas, pas de la haine, c'est pas du, du dégoût de Céline Dion. Non, non. C'est juste que je conçois Just... très bien qu'on puisse... qu'un magazine puisse décréter qu'il y ait 200 trop. meilleurs chanteurs Uh, okay. Avant, c'est une Fair. As le droit à ton opinion. Dont Rihanna. OK, j'ai une question. Y a-tu, tu <laughs> sais, on, on, on parlait des artistes que, que, que tu as rencontrés. Tu as, ouais. as fait des entrevues toutes. Tu sais, puis on, souvent, on dit, on ne veut pas rencontrer nos héros, genre, parce que des mm -hmm. fois, on peut être déçu. Mm -hmm. Y a-tu des artistes que tu as rencontrés qui étaient vraiment comme whack en personne? Ouais. Ouais. Hum. ouais. Malheureusement, euh, c'est pas parce qu'ils sont. Talentueux, qu'ils sont intéressants ouais. ou, ou, euh, ou gentils. Ou euh, chill. Ou gentil. euh, puis je pourrais vous en nommer euh, qui sont pas euh, qui sont insignifiants. Puis, mais il y en a un, je vais le nommer, euh, puisqu'on parle de hip-hop. Puis, puis je suis encore bien déçu. C'est Chuck D de Public Enemy. Chuck je suis D. un fan de Public Enemy. Je trouve que c'est un des groupes les plus importants. du Le message, puis tout. Et là, j'avais l'occasion de faire une entrevue avec Chuck D. Et lui, au bout du fil, ça n'y tentait pas du tout. OK. Et c'est une entrevue qui a duré cinq minutes. Je posais une question, puis il me répondait Yes, no puis il ne disait rien, puis il ne développait pas. J'étais tellement déçu. J'essayais de, de le faire parler puis tout. il voulait rien savoir. Ça a duré cinq minutes. Puis, euh, fait c'est pas. C'est s'en colle ça, euh, ça non. Okay, ouais. Tu l'as pas dit, hein? Non, je n'y ai pas dit. Alors qu'un autre producer de rap, qui lui, là, j'ai dit... Envoyé chier, je raccroche à la ligne au nez, puis il n'y jamais Qui eu ça. ça. Je ne le dirai pas, mais c'est pas quelqu'un d'ici, c'est un Américain. C'est oh, encore ah, mieux. Euh, Dandy Automator. Dandy ouais, Automator, ouais. Phantom okay. boy Modeling School, il était pas cool, il était débile. Euh. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Puis j'arrête de, okay. de me faire perdre mon temps. Euh, c'est sérieux. Cool. Ouais. Mais, mais j'ai refait, tu vois comment je l'aime, Chuck j'ai refait une entrevue avec lui. C'était chill? Ouais, c'est mieux, on a fait ça, ça a duré 10 minutes. En okay. plus, long, mais il répondait à des questions, euh, il y avait des phrases. Il était dans un meilleur mot. Il, il ça, était dans un jamais. meilleur mood. Oui, tu sais jamais. Tu te rappelles de toi Hein Tu te rappelles de toi Non, il ne s'est pas rappelé ben, non, 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 la première fois. je ne me suis pas dit. pas dit. Hey, ouais, uh, Chuck. Uh, hey, I'm the guy you gave five minutes. <laughs> ouais, c'est ça. Je n'ai pas fait ça. Puis de l'autre sens, as-tu des artistes que tu as appréciés, puis peut-être que tu t'attendais pas, tu as fait des belles découvertes humaines, disons Peut-être que euh, tu peut apprends à aimer leur musique ouais. plus après, genre après les avoir connus. Des découvertes. Euh, ben, c'est sûr que quand tu vas interviewer quelqu'un, tu sais déjà, tu mm -hmm. connais déjà son œuvre, puis tout. Fait que découvrir, peut-être découvrir humainement, c'est ce que tu voulais ouais. dire, ou euh, des personnes. Euh, si je pourrais rester dans le range de la musique hip-hop, euh, je vais me souvenir toute ma vie de mon entrevue avec Keylis. Parce que c'est une magnifique femme. Kellys, ok. okay. Ouais, ah, hey, you ouais, so ouais, so much ouais, right ouais, now. exact. Euh, Ma milkshake. my uh, milkshake, oui, uh, yeah, 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 c'est yeah. ça. La, oui. euh, La ex-anase. Qui était, ex qu était venue à Montréal, puis okay. don, a donné un concert, Elle était <laughs> super fine euh, et magnifique. Fait que ça, ça ah, je ouais, hein. m'en souviens. Ok, c'est cool. Shout out. Je vais me souvenir aussi de Farrow Williams, dans sa chambre d'hôtel, où on discutait. Mais c'était pas des, pas une entrevue où tu poses une question puis il répond. On jasait plus que ça. D'abord, je pense que ça donne les meilleures entrevues aussi, juste ouais. d'avoir une conversation comme ça. Mais on était assis en plein après-midi, puis lui, là, tout ce qui l'intéressait, c'était d'écouter Musique Plus, puis d'entendre les affaires québécoises qui qu pas Qu'est-ce qu'il jouait ici? Ah, fait malade. pendant puis là de avec terre, lui, j'en Assis sur le sofa à écouter Musique Plus, à manger des mini-Kit Kats. Puis là, on jasait, puis je posais des questions, il me répondait, puis il faisait Hey, c'est quoi ça? Là, j'expliquais, « expliquais, oh, Marie euh, ah, c'est Marimée. Ah, ouais. Toujours des <laughs> trucs comme ça, ouais. Ça, ça c'était quand même cool. Euh, ouais. <laughs> c'est ah, quand même cool. That's nice, man. OK, euh, j'ai une question euh, random aussi. Y a-tu, t'as-tu déjà eu un article que t'as regretté d'avoir écrit? Euh, ah oui, il passait. Euh. Probablement. Euh, probablement, mais parce que c'était quelque chose que j'ai écrit plus jeune. Je me dis ah oh, finalement le sujet n'était pas intéressant. Puis, okay, ou mais un truc de... que c'était. Mais genre, quelque chose que euh, tu, sais, tu me parles peut-être de ouais. critique. Ouais, même critique des, a, genre, des affaires fait. de critique, ouais, tu sais. Que t'as eu un angry manager qui t'a appelé ou qu'un artiste. Ah non, avait... mais ça, c'est arrivé. Ah oui, un non Un artiste mais ça... qui a show-up pour te oui, oui. voir, genre en te cherchant, genre oui, quelque oui. chose. Ben, pas en me cherchant, ça, c'est jamais. Mais des, des lettres de bêtises de la part d'artistes ou de, de mages. Ça, c'est arrivé régulièrement. Mais est-ce que c'est -ce est parce que j'avais écrit un article que je regrettais d'avoir écrit jamais de la vie? Ça m'est arrivé après de me dire, ouais, peut-être que j'ai été sévère un peu avec lui. Euh, mais est-ce que j'ai été juste? Est-ce que je trouve que... Puis, faudrait que je relise des trucs que j'écris ben, il y a 10 ans, non, je disais, finalement, j'étais à côté de la traque. Non, mais ça, c'est ça ouais. c'est quand même un, un challenge, je trouve, dans la game. Ouais. <coughs> le côté critique, puis tout ça, parce que, tu sais, exemple, nous-mêmes, nous, dans le, la scène époque, c'est tellement petit, tellement, beaucoup de monde, c'est comme, ah, des fois, c'est compliqué. Puis, c'est sûr qu'on va toujours dire à l'artiste, comme si on a feel cet album-là, ou l'autre, plus, ou moins, ou ouais. whatever, tu sais. Mais on dirait que c'est un « slippery slope », un peu, les critiques. Ouais. C'est pour ça que je te, demand, je te demandais un peu, toi, comment tu gérais ça. c'est-à-dire Moi, je pense que c'est important parce que, dans le fond, on n'écrit pas pour faire plaisir à l'artiste, mais bien pour informer le lecteur puis lui donner l'enjeu sur, sur ce qu'on croit être une mesure de, de, yeah, yeah. De, du travail. De, mais après, je pense que c'est aussi important d'être juste. T'sais, tu peux être... Tu peux, être juste, ça veut aussi dire relever des trucs, mais euh, euh, essayer de faire en sorte que ton texte puisse être, comme on dit, la critique constructive, mais qu'il retienne quelque chose de ça. Et ça m'est arrivé des artistes qui étaient fâchés, puis, qui a, puis après, ils revenaient me dire ouais, finalement, la fois que tu m'as planté à ce show-là, tu avais raison, puis je l'ai réalisé, puis j'ai eu ça. Mmh. Euh, mais c'est important aussi parce qu'il va arriver des artistes qui, dans leur entourage, se font juste dire qu'ils yes sont men. bons. Exact, c'est ça. Puis qui se font dire, ça, mm -hmm. c'est écœurant, continue comme ça. Là, alors que là, le, la vie extérieure te dit non, c'est pas ça. Et j'ai vu des artistes yeah. euh, av avec un entourage qui était des yes Yesman comme ça. Puis tu dis Mon Dieu, il y a une carrière là, à faire et, et que ça donne rien puis qui disparaissent. Puis c'est un peu dommage parce que ce sont des rêves qui ne euh, ouais. se réalisent pas pour certains. Fait que, je pense que c'est important pour notre, notre lecteur d'abord, mais aussi pour l'artiste lui-même. C'est peut-être c'est bien prétentieux de le dire, mais peut-être l'occasion pour lui de remettre quelque chose en question. Oh ouais, c'est une bonne débat. façon de un situer un peu où est-ce que tu es. Ouais, ouais, un, non, important. un honnête feedback. Puis euh, il avait fait une critique, je ne dirais pas leur nom, mais il avait fait une critique sur un projet d'un gars d'un gars qui avait sorti un album, puis il a critiqué un peu la, le mix et puis à la base les gars sont venus me DM ils ont dit oh qu'est-ce que ton gars veut dire par là ta, ta, ta. après ça j'aurais juste dit il voulait dire que le mix c'est pas mais non mais j'ai écrit à Pete, puis après ça ils se sont parlé puis on, ils ont ressorti un projet plus tard puis le gars il m'a écrit il m'a dit oh, au final man big shout out à Pete, ah, ouais. parce que il, il a parce qu'il avait du cri, raison il avait ouais. raison ouais. Ouais, on a ce, ce moi -là, il est arrivé à un moment donné j'ai mes, mes vidéos dans un mauvais format je m'en rendais pas compte même parce que c'était toujours une façon. Puis à un moment donné, quelqu'un m'a juste mis le point dessus. Il me disait, en euh, vidéo, il n'est pas aussi bright, il n'est pas aussi clean. Pourquoi Là, j'ai commencé à me poser la question. Tu sais, c'est qu vrai, que tu veux dire, il n'est pas aussi bright, bro. Mais hein? tu sais, je l'ai revu. <laughs> hey, Carlos Guerra, quand ouais. je l'ai connu la première fois, c'est mon frère. Big shout out Carlos Guerra. Je filmais dans le temps, j'avais une caméra, je faisais, je filmais, puis il m'approchait, il m'a dit. Il m'a dit, yo, c'est quoi tes settings de ta caméra? Ah oui, ouais. oui tu m'avais l'avais dit. Puis moi, j'aurais pu sur le bout lui dire, hey, de quoi tu te mêles, toi? Mais tu sais, j'ai dit, yo, sincèrement, bro, j'y connais rien. Je fais juste appuyer sur <laughs> Rec. Puis tu sais, je filme. Tu sais, j'ai été franc. là. Comme ça, do-it-yourself, baby. C'est ça. Puis après, il m'a dit, hey, tu me permets? So, j'ai donné ma caméra, il m'a rangé. Puis il m'a dit, yo, là, ça va mieux fonctionner. Right. Là, je me suis rappelé de lui. Puis maintenant, c'est ce qui a fait que ça a déboulé pour devenir un de mes amis c'est un, right. you know? un des so, plus dope euh, ben ouais, réalisateurs. Réalisateur, réalisateur, euh, ben euh, je voulais savoir, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier de journaliste? Euh, ben, je pense que en fait, c'est la rencontre. Déjà, il y a le fait qu'on qu passe beaucoup de temps avec des gens qu'on connaissait peu ou pas a, auparavant. Ouais. Ces échanges-là sont, sont, sont toujours nourrissants. Ça fait aussi que ce soit un job euh, où il y a une, une forme de routine qui finit par s'installer parce que des textes se font de telle manière puis euh, tu prépares, tu fais de la recherche, euh, tu vas faire entrevue tu écris. Ça, c'est une forme de routine, mais euh, ça ne s'appelle pas du 9 à 5 tout à fait. Tu travailles euh, le soir, tu travailles une fois le week-end, tu as des horaires atypiques. Euh, bon, ça, c'est le fun. Puis, euh, tu écoutes de la musique, tu lis. C'est un métier où tu apprends quelque chose de nouveau à tous les jours. Pis ça, c'est formidable. Euh, c'est dope, ça. Parce que même moi, ce que tu as dit de genre t'asseoir avec des gens que tu connais peut-être peu ou pas, ouais. c'est quelque chose qu'on fait ici. Ouais, 152. 100... 50... Ouais. Moins... Ça fait 152 fois qu'on le fait. Puis il y a des gars qu'on connaît plus que d'autres, évidemment. Mais je trouve que c'est enrichissant. Puis des fois, même quand j'en parle avec mon entourage... On dirait qu'ils peuvent pas catcher jusqu'à temps que tu fasses ouais. ça t'sais, à répétition comme ça pour comprendre le, le, le qu'est-ce que tu peux re ressortir de, de, de ces conversations. Ouais, là, euh, de la ces échanges surtout qu'on fait ça euh, parce qu'on a tous ça en commun d'être des, des fans capotés. Ouais. Ouais. T'sais, t'sais. Mais c'est que, sincèrement, au début, j'avais une peur incroyable de me mettre devant la caméra et Parler. un track ou ah j'avais un track, un track pas, ouais. euh, je faisais mes je faisais tout à derrière la caméra avant right. après ça peut-être que j'ai aussi euh, séparé la pression parce que j'ai toujours des hosts avec moi tu sais je suis avec Jay mm -hmm. j'avais Loïc Big tu so, mais il y a eu un je m'en foutis. maintenant ça fait right. 152 épisodes j'édite je m'en fous un peu de ce que j'ai dit parce que je l'assume mais je pense qu'il y a beaucoup de gens peut-être des fois ça bloque de vouloir faire right. ça parce qu'ils ont peur de comme je vais avoir l'air, tout quoi. Mais ce que ça t'amène au niveau humain ensuite de rencontrer les gens. Le premier euh, invité que j'ai eu, c'était Mike Zop. Right. Puis quelle personne incroyable. Right. Tu sais, on l'a reçu plein de fois ici. On, on voit sa carrière évoluer. Mm. Juste ça, ça vaut le fait de le faire. Tu ouais, vois, 100%. So, avec toutes ces affaires-là de podcasts qui arrivent, c'est quoi, tu penses C'est quoi le. Ça fait longtemps que tu es là, le métier de journaliste. Vers où ça s'en va euh, ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, maintenant? Je pense que des gars, des podcasteurs, comme euh, ici au podcast quoi, ou n'importe où d'autre, peuvent finir à avoir des. des, des, des un des contrat chez Spotify à 100 millions. par hey, année. Man, une, Non, mais tu sais, peut-être même pas pour le podcast, mais tu sais, ça peut générer des vraies carrières médiatiques. Mais, ah mais ça, oui, ça, ça, absolument, absolument. Euh, étant un gars qui est dans la game depuis longtemps, oui, 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 oui. tu suis un peu la, 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 la scène médiatique, disons, hip-hop, oui. ici, qui est plus underground, comme, comment tu vois ça? Est-ce que tu vois. Du talent, est-ce que tu vois je vois, vois du... du talent bien sûr puis je, je, vois, je vois des démarches, je vois des opportunités d'affaires. Euh... Hey, big Charlotte, Christophe qui est rendu à Radio Canada. Ouais, Christian Billy White ça. Ouais, bon ben ouais, ben ouais. ouais, mais alors tu vois ça en est un bon exemple là, lui. Euh, sais je le connais peu euh, mais, je, mais je le suis puis je ça m'est arrivé de tomber sur ses émissions qui faisait lui c'était à Radio de Lucam. Il y a, il y a ouais. Polypop. Ouais, c'est ça, c'est ça. Lui, il connaît, il connaît son shit. Quand 100%. même, moi, une, moi, je trouve que c'est une référence pour le rap. Totalement. Là, lui, il vient de rentrer chez Radio-Canada. Carrière, là, il y a un début de carrière, là. qui sait où ça va le mener. Je pense que n'importe qui qui a, euh, qui a envie de le faire a l'opportunité de le faire. À moi, à mon époque, il n'y en avait pas de blog, il n'y avait pas d'autre vitesse. Il y avait. CIBL puis CISM. C'est là que j'ai commencé. Puis les, les Nightlife les petits magazines. Ouais, les petits euh, magazines Nightlife. Tu vois, c est, c est pour, tu hein. voulais rentrer dans ce, dans ce métier-là, tu commençais par ça. Il n'y avait pas beaucoup d'input. Alors aujourd'hui, des podcasts, <laughs> euh, tout le monde peut en faire avec un, un laptop et un ordinateur. Puis allez-y, tu sais. Je pense que c'est possible <laughs> de, de commencer là, d'apprendre le métier là. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a une professionnalisation qui va se faire. Il y a une rigueur. Tu vas t'entourer de gens. Puis, on peut séparer aussi les métiers. Tu me disais euh, journaliste, tu euh, peux être. C'est ça peut être plusieurs choses. Par exemple, moi, quand j'écris un, un reportage euh, sur, euh, dit, mettons, sur, sur les concerts virtuels puis la business en arrière de ça, ça, c'est plus un travail de, de journalisme. Ouais. Quand, quand je vais voir un concert j'en fais de la critique, là, c'est... C'est le critique qui, qui, qui embarque. Ouais. C'est un peu une forme d'éditorialiste. Euh, et Ce sont des choses différentes. Il y a aussi l'intervieweur, qui est une, un métier de journalisme. Il y a des gens qui spécialisent là-dedans. Faire des entrevues, les écrire, les mettre. Tout, ouais, bon. Et donc, il y a, il y a plein d'opportunités. Si tu as envie, tu fais un blog de journaliste qui est une enquête, c'est plus compliqué. C'est genre serial. malade, ça. C'est ça. Voilà, <laughs> Il y a, y a une démarche podcasts. journalistique en arrière de mais ça. Les podcasts d'horreur, ça, ça, ça fait partie des podcasts populaires. les plus pop, populaires. Ah ouais, ouais. Les gens ils aiment ça, là, les, histoire, les podcasts là, sur fou. les histoires d'horreur. Hmm. On mentionne les shows puis les critiques. Si je te demande, c'est quoi le meilleur show live que tu as vu oh Tous les genres confondus, euh, puis hip-hop d'ici. Aïe aïe aïe. Ça, c'est comme me demander, c'est comme mon disque préféré. Ben, ça, ça écoute, changer, pour aujourd'hui, hein. ça peut changer, mais aujourd'hui, euh, si je te pff... dis off the top of your head, tu sais. J'essaie de penser. Ben, je te, on en parlait euh, plus tôt, mais c'est un des meilleurs shows de, de l'an dernier. Ça a été Burner Boy. Mmh. Euh, un des meilleurs shows. À qui j'ai dit que c'était un des meilleurs. Ah oh, euh, Un des meilleurs shows québécois que j'ai vus. Lou Adriane Cassidy, euh, qui est une autrice, compositrice, interprète de Québec. Oui, oh, qui, a, qui, a, <laughs> qui, a, qui a, est. C'est plutôt de la chanson rock. Okay, Cette fille-là, c'est une. Sur scène. Okay. La présence qu'elle a, elle joue de la guette. Puis il y a. Il y a, il y a Shout out à, à la hein? Oui, oui, non, mais, vous, mais, me suis demandez, curieux. Là, mais je suis là. Mais je suis curieux de, ouais. dans les hip hop genre, si je te dis dans les artistes hip-hop. D'ici. Euh, D'ici, le bon show In que j'ai vu. International Burner Boy, I respect ouais. it. Gros, gros artiste. Ben, international, en fait. Je vas me, là, là, je de me, de me souvenir mémoire. tout le temps du dernier show de Kanye West. C'est mmh, assez touché de, de parler de lui, mais il faut le reconnaître. Euh, assez Where is Kanye maintenant? Avec la plateforme. C'est Seul radio? sur une plateforme. censé oh ouais, être euh, pour euh, Pablo. Life, Life of Pablo. Ouais, Life of, je of pense. Pablo, oui, c'est ça. J'avais jamais vu un truc pareil. Puis ça, il y avait du monde en dessous. Il y avait du monde en dessous. Ouais, je ne sais pas. Jamais, conceptuellement, j'avais jamais vu un truc pareil. Puis pour parler de lui, je parlerai aussi du show uh, Watch the Throne. Jay-Z, Kanye, ouais. ça avait été quand même euh, quelque chose de big. Euh, enfin, on parle de show à gros déploiement. Uh, Travis Scott, là, avec sa, sa, son, son manège, là, sa montagne russe. Ça, j'aurais aimé de, ça, des voir, de, j aimé de ça le voir là J'aurais aimé ça Mais des rappeurs d'ici, ça, ça va être un peu facile de dire loud parce que. C'était une de mes craintes quand j'ai vu le show au Centre Bell. Tu vas être capable de livrer ouais. ce genre de, de prestations. De prestations. Ah, bon avec des moyens forcément réduits. Là. Tu ne peux pas t'installer euh, des manèges tout le tour. Mais je trouve que la scénographie était euh, bien pensée. Mm -hmm. euh, Puis ça, ça avait de la gueule. Ça n'avait pas la chenue sur non, son Non, Il ah, nice. y, y avait quelque chose. C'était comme quand tu allais voir un show, euh, n'importe quel ouais. autre show, c'était de, de qualité. Là. Exact. OK. Euh, Question aussi, comme ça, random pour toi. Est-ce que tu, tu penses que les artistes ont une responsabilité dans qu ce qu'ils disent? T'sais, parce que des fois, on, on veut souvent mettre le blâme sur des artistes ou, ou, ou des choses comme ça. Est-ce que les artistes dans l'époque ont une responsabilité dans le message qu'ils donnent ou c'est comme, hey, freedom of speech, tu peux dire ce que tu veux, d'après toi? Moi, je pense que oui, tu peux dire ce que tu veux. Moi, je suis plutôt de, de ce, de ce camp-là. Là. De censure. De toute façon, la censure ici, elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'une euh, oui. entreprise privée comme une radio peut faire ce qu'elle veut, c'est-à-dire choisir de jouer ou non. La censure, c'est quand le gouvernement débarque et dit Ta chanson, on décide qu'elle est interdite des ondes. Ça, c'est de la censure. OK. Si moi, je ne veux pas écouter Céline Dion, je ne suis pas en train de la censurer. Je suis juste en train d'exprimer mon droit de ne pas écouter, c'est du Céline Dion. Tu comprends? Il y a une, y a une forme de, de nuance là. Après, et c'est pour ça que je dis, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Maintenant, est-ce qu'ils est qu sentent une responsabilité? C'est une, une question deep et importante. C'est deep parce que, tu sais, on, on voit beaucoup de monde qui disent Ah, tu sais, ça parle de ça tout le temps, tout le temps. Puis comme, même dans, dans le street, dans les affaires street, dans oui, les ouais. pop, on, on dit souvent aux States, il y a tellement d'artistes qui meurent, qui disent que ah, oh, but everybody's crying mm -hmm. when, they're, when they're dead, but quand ils sont vivants, les gars, ils ont huit glocks, puis ils sont en train de tirer ouais. tout le neighborhood dans leur chansons, tu sais ce que je veux dire? En fait, ouais. ben, je, ben, enfin, je pense que, euh, comment dire, il appartient aux artistes de sentir que si eux euh, jouissent d'une tribune et d'un auditoire, euh, est-ce que c'est à eux de se censurer ou pas ou de faire attention à ce qu'ils disent? Mais ça, mm. ça leur appartient à eux. Euh, je je m'intéresse beaucoup à la scène dancehall euh, jamaïcaine et tout. Okay. Et ça, c'est une question en ce moment qui est débattue beaucoup. Le gun talk. Tout. Mm. Deux des artistes les plus populaires, c'est Skang et Skilly Bang. J'aime beaucoup ces artistes-là qui sont plus près d'un son qui s'appelle Trap Dancehall. Et c'est vrai que, c est, c est, ils appellent ça du gun Ils n'ont pas inventé le genre. Du gun talk » qu'il y en a depuis la fin des années 70 ouais. euh, en Jamaïque et tout. Mais là, ça devient un problème parce que le problème des, de, des armes à feu et des homicides qui en découlent est endémique en Jamaïque. Hum. Là, je n'ai pas eu les comptes, là, mais l'an dernier, c'était quelque chose autour de 1300 euh, meurtres. Euh, pour l'année. 1300 meurtres pour une population de 2,8 millions. Là. Ah, c'est beaucoup. Euh, c'est comme si on Ici, avait. Il y en a, au Canada, je pense qu'il n'y en a même pas 100. C'est comme si au Québec, il y avait 5000 meurtres, mettons, par année. Alors qu'il ah, y en non, a 150. Ça. Ouais. Fait que là, ça devient, là tout d'un coup, ça devient un problème euh, de société. Oui, ouais, mais c'est-tu art imitating <laughs> life ou life imitating Alors, art? C'est ce, ben ce que je reproche au gouvernement. Tu peux bien passer une loi pour censurer quelque chose, ça ne règle pas le problème de fond. Et après, les artistes nous disent ce qu'ils vivent. Ils nous parlent de leur réalité. Maintenant, il euh, y a la manière. Puis, est-ce qu'ils sont vraiment authentiques quand ils font ça? Est-ce qu'il n'y a pas. Euh, tu sais, moi, des artistes américains que j'aime bien, là, ces temps-ci, euh, euh, Maxo Cream, c'est un ouais. gars du Texas ouais. qui, a, qui a eu une, Max vie, tough, a eu une okay. vie tough. Qui a une vie Et. Euh, lui, nous nous parle de ça. Puis il le fait d'une manière... Tu que le a un le of Tu le ouais. tu le feel, Puis il little pas là. pas accuse un peu facilement les artistes qui font des des « des a de des tonnes de gun de of a little bit of a little bit of a little bit of a pas ça qu'ils font bien souvent. En tout cas, pas aussi souvent dit. souvent qu'on cas de Max il le fait pas lui. Il, 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 il dénonce à sa manière ouais. en décrivant sa sa puis moi, j'ai aucun problème à entendre ce genre de texte-là. Euh, après, euh, est-ce que ta réalité d'envie, c'est de battre des femmes, puis d'avoir de, 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 un réseau de prostitution Si c'est ça ta réalité, il y a un problème. Là. Si tu en rappes, puis euh, c'est pas ta réalité, mais tu le fais parce que c'est cool de parler de bitch money, là, je trouve que c'est encore plus problématique. Parce que tu essaies de, de te donner une image. Euh, qui est dégueulasse. T'sais, on est rendu en 2023 euh, pour la même raison qu'on ne devrait pas parler de ça, c'est que le rock ne dit pas les mêmes niaiseries que disaient Matley Crew et Guns N Roses à la fin des années 80, ou sur le plan de, de la représentation des femmes dans leurs chansons ou dans leurs clips. il était pas bien mieux que les pires des, des rappers. Ouais. LinkedIn, okay. Okay. Mais c'est ça, parce que aussi... T'as le discours qui se radicalise, disons, il y a des artistes qui font la promotion de trucs qui ne font pas de sens. Mmh. Mais ça va même avec les Lil Nasex qui, qui, qui font des danses devant, devant le diable mmh. et tout. Oui. On dirait qu'on. On... Pourquoi un passe, l'autre passe pas? Mais moi, enfin, là, vous faites une équivalence que je ne fais pas. Okay. Moi, je m'en fous que euh, Nas Sex danse devant le diable. Euh, je veux dire. Je comprends Là, ce que tu veux dire. C'est pas, pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est ça. ça. Je n'ai pas de problème. Après on, peut, après, on peut faire comme on devrait faire. Si on trouve ça bon, on aime ça. Si on, si on trouve que la chanson n'est pas bonne. C'est le plus important que tu sois conscious, que, es, que tu sois politiquement engagé. Si ta tune n'est pas bonne, on ne l'écoutera pas, puis tout ça servira à rien. Euh, mais c'est ça, je ne peux pas admettre que Neil Assex qui fait des vidéoclips comme ça se compare à ben disons je veux pas faire avocat disons mais Gucci Mane que t'aimes parce qu'il est il est il est à fond bon exemple t'aimes ça oui 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 mais euh, tu as d'autres artistes que tu ne vas pas préférer. Oui, mais Gucci Mane, il n'était ouais. pas toujours euh, non plus euh, l'exemple euh, avec alors, les femmes. Euh, le Snoop Dogg. Maintenant, oh, il est oh, oui. Great transition. Mm -hmm. Mais les artistes, tu puis, peux puis leur... as vu Puis tu as vu, oui. exemple, Gucci Mane, je pense que c'est un exemple excellent. Oui. Parce que check Gucci Mane aujourd'hui en 2023. Oui. Tu le vois en shape, il est avec sa femme, oui. ça va bien. En tout cas, ça a l'air à bien aller. Oui. Puis exemple, si on aurait regardé Gucci à 15 ans, on aurait dit « Man, this guy is not going to end up like that. Il va finir... » beaucoup de monde aurait dit « he's ouais. gonna finish dead or in jail », tu sais. Ouais. Puis là, check l'évolution qu'il y a eu, check maintenant, c'est sûrement un law-abiding citizen doing his thing, j'espère, tu Fait que les, les, les mêmes qui, peut-être, qui vont parler de choses comme « bitch money » or whatever, ouais. peut-être aussi, eux, ils ont une chance d'arriver Ah à, oui, peut-être. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Oui, Mais oui. Gucci, il y a eu la porte ouverte, pourquoi? Parce qu'il y ouais. avait les chiffres les streets were talking. Il y avait le talent. Il y avait un talent. Il était original, il était singulier. Il sonnait comme personne à cette époque-là. Moi, je pense plus que ça, même, il y avait le street. Gucci Man, il y avait le street. C'était comme le nom que. Le street, c'est plus important que d'avoir une personnalité, un talent musical. Non, il y a son talent musical. C'est parce que c'est le peuple. Je veux pas dire qu'il n'y a pas son talent. Tu l'aimes. Tu peux avoir n'importe qui qui peut bump euh, n'importe quoi. Donc, c'est le peuple. Non, mais des... pas, si c'est pas n'importe quoi, justement, s'il si est, si est le meilleur. Tu sais, ah, que, bah, je veux voilà. dire, Kendrick, s'il n'y avait pas le street, ne serait-il pas encore. Non, Kendrick, c'est le... différent. Mais quand on parle des street rappers tu sais, qui, vont, qui vont parler d'un peu de tu sais, ouais. ouais, ces déjà. genres de sujets-là, tu sais, exemple, il y a beaucoup de monde qui vont dire que Young Jeezy peut-être techniquement est un meilleur rapper que Gucci Mane. Ouais. Peut-être qu'il y a du monde qui vont dire ça, mais Gucci Mane, il y avait plus. Le street avec lui. Je sais, je ne veux pas dire que l'avait pas, mais je sais pas, Gucci avait un mouvement que c'est quelque chose que tu ne peux pas mettre ton doigt dessus et dire, c'est quelque chose qui n'est pas calculable. Puis je pense que c'est ça aussi. C'est ici, évidemment, c'est une affaire culturelle, c'est différent, mais on a des artistes qui... C'est ça un peu, c'est culturel. C'est que tu as des gens qui... C'est que Snoop Dogg, il vient, par exemple, je vais te donner le meilleur exemple pour moi, le gars, il vient de LA, tout ce qu'il a vécu, il a eu la chance. De se faire entendre, puis que les gens, grâce à Dr. Dre, les gens lui ont ouvert la porte. Jimmy OK. il vient veut... à Montréal, puis est en train de hug il Valérie Plante. A, Valérie, il a eu la I chance. Know what de... it is. Parce que, je ne sais pas, il était dans un environnement qui lui a permis de se développer, je ne sais pas. Mais ici, il est, nos artistes qui vivent aujourd'hui, il faut leur donner la chance d'évoluer, en tout cas. Mais on dé, on, 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 on... Vrai, la conversation a pris ce chemin parce que dans le fond, tu me parlais de Gucci, puis de, de Snoop Gou... par rapport à ce qu'ils ont. Rapper sur les femmes, puis tout, puis euh, ben, bon, tout ça. Ben, ils ont eu des cases, euh, Snoop, ouais, euh, autant oui, oui, oui. qu'il a peut-être fait son... Pimp, absolument, C'est pimp. Même si ben, son Snoop aussi ben était ben sur son case. pimp talk, aussi, back in ben, 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 pis... et tu sais, puis... Et tu me demandais ça parce que, dans le ben, fond, plus... si moi j'aime ça, puis j'apprécie pas un autre qui le fait, tu sais pourquoi. Ben oui, why not? C'est vrai, non, mais cette question-là se pose, euh, elle est légitime, et elle se pose pour d'autres genres de situations pour d'autres artistes aussi puis finalement c'est ton compas moral qui décide par ah, exemple James Brown ouais. parler de violence à l'endroit des femmes lui courait après ses ex avec des pattes de baseball ok c'est horrible ah, pas ça, non c'est terrible Brown, non c'est ça ah. c'est terrible c'est terrible et James Brown euh, c'est un des architectes de la musique un goat. moderne ultimate goat c'est le dernier dans le tableau, elle, genre dans la vidéo plus, game. C'est peut-être plus facile de, faire, de distancer l'homme qu'il fut et le musicien qu'il fut quand, dans son œuvre, il ne parlait pas de Bitch Money. OK, mais ça te fait peur. Le fait qu'il n'en parlait pas dans sa musique, ouais. de ça, ouais. mais que, de, derrière l'affaire, ouais. il faisait des trucs horribles. Ouais. Ça, c je comprends euh, ce que tu veux dire. Tu peux, tu, tu, on doit se souvenir que euh, James Brown est une ordure. Ouais. Puis que euh, Phil Spector, <laughs> qui était le grand réalisateur des années 60, de ouais. Wall of Sound... Lui, il a tuer, il a tué oui, il pas tué sa oui, femme. Oui, il était mais... une ordure. Il a tué sa femme. Ouais. Il menaçait tout le monde à, à, à la pointe d'un fusil, dont euh, Leonard Cohen, euh, avec qui il avait enregistré un disque. Euh, mais c'est un débat fascinant. Mm -hmm. Je veux dire, comment. Comment apprécier l'œuvre de Claude Jutra, dont on a enlevé le nom d'un trophée parce qu'on euh, l'a poigné à, à piloter des petits gars. Ouch! Tu des affaires trash, là? Ah, non, c'est correct. Comment? Comment, Let là? it be known. On est podcast. deep, on est deep. Non, mais, non, mais tu, tu, je trouve que, OK, l'affaire de James Brown, puis il n'en parlait pas, mais l'affaire de Gucci Mane, ouais. c'est ça, là. Le, je pense ouais. que c'est la bonne exemple. Gucci Mane, il, par, il parlait de plein d'affaires ouais. euh, que, disons, on va pas... Euh, c'est pas la façon idéale de, de parler en des femmes mmh. ou traiter les femmes, mais oui. il a eu sa chance, puis il a blow up. So, ici, oui. je pense que si quelqu'un a la popularité, puis a la jeunesse, parce qu'à la fin, c'est la jeunesse qui dicte oui. un peu le, la direction de la culture, des fois. tu Puis moi, je pense que moi, un, tu, en fait, un, un gars comme Anima, il a le youth, man, puis go, man, let's put the machine behind him. Check-les tout seul, qu'est-ce qu'il a fait? Check-les tout ouais. seul, qu'est-ce qu'il a fait? Imagine il y avait le support. Imagine un peu de support ou s'il y aurait une musique plus qui jouerait. Ses... Ben, je pense qu'il qu faudrait censurer sa musique. Dans le sens. là, on mm -hmm. parle de mythe un beat là. Mm -hmm. Tu sais comme comme euh, le clean. Ah non, edit. il préfère des, des clean versions. Il faudrait qu'il fasse des clean versions. Je ne sais pas combien de mots il resterait dans ses chansons, mais. Ah non, non, mais moi exemple moi mm -hmm. moi ça se fait non. Je pense pas. Moi, as a single, tu sais, un petit. Je sais pas. Mais ah, en fait, de, parle, de toute, toute façon. On parle pour parler. De, non, le mais c'est ça, on parle pour parler. Mais de toute façon, là, ça va être intéressant. Ça va être le problème de Capito. Il est chaud son premier vœu sur moi. là. L'affaire de la, la grand-mère, c'est ouais, un ouais, peu fucked Ouais, ouais, ok. Ça, ça c'est un peu fucked Mais ouais, c'est ouais, chaud, Ouais, mais tu peux Ce que je veux dire, c'est que s'il y a trois lines un peu intenses. Il, il réenregistre un clean version, puis bien ces oui. trois lignes, ils les changent. Il y a ouais. plein de rappers qui ont fait ça au States, ouais. là, comme c'est pas. On, chose on, mais vu, mais on peut changer, il y a on plein peut changer, regarde, ça, on peut pour. Si aussi. vous me permettez, revenons juste à, à l'exemple du dancehall jamaïcain. Ouais. Donc, bien, bien sûr. Le débat se fait en ce moment pour les gun talk et tout, mais il se fait aussi euh, au niveau notre musique est tellement euh, hardcore qu'elle devient plus exportable. Donc a, là, il y a les fans finis de, de dancehall euh, qui vont continuer à écouter. Je, bon. Sauf que si tu regardes, on parlait de euh, euh, Burner Boy. puis L'Afrobeat qui, qui marche. Là, ça, ça c'est la, la musique. Mais qu'est-ce que c'est dans le fond que cette musique-là? Hein? Si, si tu enlèves euh, la voix de la, ils font du dancehall. C'est du dancehall qui est en arrière. Tout est un peu dérivé. Wow. Tout est For dérivé sure. du dancehall. Sure. Ils font de la musique que des, Américains, que des Jamaïcains pourraient faire en ce moment. 100 mais Et je ils pense ils font pas. Parce la que Burner Boy nous parle pas de, de Gunshot, pop, pop, wap, wap. Euh. Ouais. Ouais, bon. Mais, Il y en a. Ouais, Il y en a. Non, mais c'est pas des chansons qui tournent en radio après. Le, non, mais je suis d'accord avec toi sur le vibe que le dancehall c'est plus euh, pas le dancehall mais l'afro c'est plus disons happy ouais. des mélodies Et le plus texte, de... le texte le texte c'est moins pire ouais. puis puis ouais le dancehall tu sais il y a plein de chansons dancehall que hey, des fois j'ai vu là dans les clubs tu sais je travaille dans les clubs j'ai vu des filles chanter des chansons là puis, yeah, ouais, puis ils dansent. Ouais. je suis comme damn, tu comprendrais vraiment qu -ce Oui, que oui, oui. oui, oui. tu sais ouais. puis but it is what it is i mm -hmm. guess moi, moi je le vois comme tu sais, ça fait partie de la, la culture là-bas. Je veux dire, si les gars. Ils... Mais je pense que c'est pas parce que ça fait partie de la culture que cette culture-là ne peut pas évoluer aussi. Fax. Moi, je vrai. pense que c'est du progrès que le rock aujourd'hui euh, ne parle pas des femmes comme Motley Cruel faisait dans les années 80. C'est un progrès. Oui, mais si c'est une, si une réalité. C'était si un une, fait, une euh, réalité pour euh, Motley Crue et tout le poil rock des années 80. Euh, ben c'est ça. Puis maintenant, on regarde en arrière et on dit Ah, c'était un peu. Fou. Mais si les gars, ils vivaient sex, drugs, and rock'n'roll, and tu sais, ben, si lui, il vit gun, tu sais. Te... Oui, oui, bien sûr. Mais tu vois, ça ne me dérange pas, moi, Qui il parlent, ils peuvent faire autant de drogues qu'ils font dans leur. La... un des classiques des années 2000, pour moi, c'est Fish Scale de Ghostface. Je veux okay. dire, ce gars-là a inventé okay. <laughs> un, un, un nouveau vocabulaire pour nous parler de. Cocaïne, comment <laughs> cuire la cocaïne, <laughs> comment mettre ça dans des sachets, comment la. Tu comprends? C'est du Shakespeare de mais la, la présentation était. Ça, mais, oui, mais ça, ça, j'ai aucun problème avec ce qu'il parle. Ouais. Mais... Non, mais, je de... Phil, mais. mais Ghostface, il le fait d'une façon tellement. Il y, une the elegance, box, il y a une élégance, il y a une plume, enfin. Ouais, je comprends. Il y a une ouais. élégance, il y a une manière ouais. d'amener le sujet. Une... Ouais, ouais. ouais bien je sûr. respecte ça, c'est bon. Ouais. C'est tout Il problème de violence même au UK avec le drill. Ouais, pil... avec le, avec le, le drill, pil... oui, c'est Et les, vrai. Euh, les, les tu, attaques au couteau. Tu vois, ça, c'est intéressant parce que là, euh, le drill est, rev... est devenu mainstream ouais. en Angleterre. Ben, ici aussi, là, tout le monde veut faire du drill. Ouais. Tout le monde prend ce genre d'esthétique-là. De, Bien là, Les artistes au UK, il y en a qui sont devenus des big stars et qui vendent des disques. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Euh, ils peuvent parler de leur réalité, mais là, ils ne vont pas menacer, faire des clips de, de cons, euh, euh, donner des invitations à l'autre dans le parking euh, du McDo pour euh, aller régler des comptes. Ils sont rendus ailleurs. Et on l'aperçoit ici même dans notre industrie. Des rappeurs, moi, je pas utiliser le mot street rap parce oh, que. Ouais. C'est tout du rap. Il y, y, y a du bon rap, il y a du mauvais rap. Puis, si tu parles de ta réalité, je veux l'entendre. Je, je 100%. Pas. Mais il y a donc de, de ces rappeurs qui parlent de réalité qui, qui sont différentes de celles dans lesquelles j'ai grandi moi-même euh, et, et qui aussi disaient des affaires crues, pas juste en lien avec ce qu'ils vivaient, mais aussi qui faisaient du grand talk et, et qui aujourd'hui, en gagnant popularité, euh, ont. Se sont auto-censurés, mais ils ont compris qu'ils pouvaient aussi euh, véhiculer des émotions, oui, ouais. gagner du fric, mais véhiculer des émotions, passer des messages sans avoir à être vulgaire, sans ouais. avoir à être provocateur, et ainsi se rejoindre un plus vaste public. N'est-ce pas ça l'objectif? C'est de d'attirer ben ouais. le monde, de faire en sorte qu'ils nous écoutent. 100 100 sans compromettre. Euh, de, Sans compromettre, évidemment je pense. Ton oeuvre, je pense mais, ouais. pas que c'est se compromettre que d'éviter de parler de bitch money. Non, je dis pas. <laughs> mais si c'est ta réalité. C'est <laughs> comme mon moto. Ouais, ouais. Hey, si tous les jours, you're getting bitch money, mm -hmm. puis t'es un rappeur, puis t'es un artiste, puis là, tu mets ça dans ta chanson, je veux dire, yo, yeah, man. Non, fait, yeah. I yeah. guess that's, that's your puis life. Au final, puis qu'au final, tu fais de mal à personne. C'est qu'on est dans une époque où si tout le monde est consentant de faire ce qu'il veut, puis que c'est du bitch money. Le ouais, ben Oui, ben lui, lui, de, tout moi, ça, je... est Ça, c'est Patreon. Ouais, ouais. ouais. <laughs> mais j'étais un, un fan de R. Kelly. C'était bon. Avant. moi là, là, je veux dire, dire quelque ça, chose. Okay. Cette okay. histoire-là. OK, attends une seconde. Attends une seconde. C'est-à-dire que. Dans une... Il ne parlait pas de bitch money. OK, OK, oui? mais. Non, mais OK, Monsieur Philippe Renaud. Vas-y, vas-y. Vas I believe I can fly. C'est ouais. quand même une belle chanson aujourd'hui. Oui, non? absolument. Mais, mais non, on ne peut pas l'écouter. Enfin, moi, je ne peux, moi, moi, je je peux, peux pas l'écouter. Je ne peux pas l'écouter. Je peux pas. Parce que, je, enfin, euh, la, ça va être la différence entre du James Brown que je vais écouter et du R. Kelly que je ne peux pas écouter. C'est quoi la différence? Euh, ben, là, c'est mon compas moral à moi. OK, là, c'est ça ça aussi okay, le je temps. Je respecte ça. Non, mais c'est aussi le temps. Le temps qui passe et qui nous permet de. Mieux faire la part des choses. Un, un des grands maîtres de la musique classique de l'opéra est un type qui s'appelle Richard Wagner que vous connaissez. Okay, ouais. bon. euh, L'anneau des Nibling et, et C'est un génie qui a révolutionné l'opéra. Il est joué, c'est parmi les opéras les okay. plus joués à travers le monde. Euh, le type était un antisémite notoire. Donc il écrivait, pas juste J'aime pas les Juifs, il a écrit des, des livres. Dans lesquels il disait, okay. j'aime pas les Juifs sur 200 pages, puis il les vendait. Okay? Et donc là, on peut faire la distanciation entre l'œuvre, où il serait peut-être allusion à ça dans une partie d'un opéra, mais je ne suis pas un spécialiste de ça, et son, son, son activité de pamphlétiste antisémite. All right? bon C'était évidemment, vous vous en doutez, le livre de chevet et la musique pour s'endormir euh, à l'époque de Hitler euh, chez les nazis. Et euh, y, à cause de ça, euh, et, et pourtant il était joué partout à travers le monde, okay. sauf en Israël, où là, l'orchestre symphonique euh, de Tel Aviv avait dit il n'y a pas question qu'on joue la musique d'un Asie, ouais. aussi géniale soit-elle. Okay. Et pourtant, c'est arrivé, il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être une dizaine d'années, un chef d'orchestre qui s'appelle Daniel Barimboin, qui, qui est un, un, un grand. Grand chef, une légende un, de la musique. Classique, un gros gars. Un, un grand. Et qui, lui, est d'origine juive aussi. Puis là, il est allé dire Regardez, euh, je vais aller diriger l'orchestre symphonique de test et au Jérusalem. Puis on va jouer Wagner. Puis c'était la première fois que ça, ça avait arrivé. Ça l'a passé, ça, ça Oui, ça a passé. Mais donc, il y a un travail de pédagogie. Mais tout ça. Puis c'était l'idée de On peut apprécier l'œuvre. Euh, tout en reconnaissant les torts que cet homme a fait et à quel point c'était une ordure. Fait là, mais là, donc, ça leur a le pris le tout ce temps-là avant d'accepter de, de, de jouer et ça. Moi, je peux pas écouter pardon, je ne peux pas écouter R. Kelly. Pas, ça fait pas assez longtemps que ouais, moi aussi arriver, je suis pas capable, je peux plus écouter. Je ne pas, je peux pas. Il y a quelque chose qui m'écœure. Ouais, ouais. Moi honnêtement, c'est parce ouais. que c'est l'all-time goat, comme yo, sérieux dans RB, comme ouais. ce genre ouais. de RB là. Ouais, là non, mais on mais va s'en trouver un, le... ouais, un, un autre, trouvera un autre. Ouais. C'est tough à trouver un autre. Comme... Mais comme puis, puis je veux pas dire que Ah, oh, je l'écoute à fond tout. Moi aussi, quand je l'écoute, si je l'écoute, ça va être comme Tu sais, tu peux pas penser à ça mais je sais pas moi je trouve mais que la notion de la personne qui me donne le message joue aussi autant que la musique la musique mais je pense à la personne qui chante puis si t'es pas crédible moi sais je trouve donc moi Urkelis j'écoute une chanson mais là je pense c'est Urkelis ah, ouais mais euh, c'est une euh, affaire je... aussi de nostalgie tu sais comme tu, tu te rappelles de tu sais, oh, ça quand ça jouait bump and grind mes premières grouillades back in the day c'était cool c'est des memory vibes ouais, là, tu sais, c'est plus ouais comme non c'est ça mais ben, je peux comprendre l'attachement comme imagine tout ça. Fans de, de Michael Jackson qui à un moment donné doivent se poser cette question aussi puis qui disent j'ai grandi avec Michael Jackson, que je fais, ça appartient à chacun finalement. Non histoire. coupable en non arrière. Coupable. Ouais. Alors qu'on a un non coupable. On n'a pas dit ça dans son. Non coupable. On a, coupable. On a non coupable. deux non coupables ici dans la maison. Non coupable, non coupable. Non coupable, hein? non coupable. Moi aussi, Michael Jackson non He coupable. Weird. Mais non il est coupable. weird mais non coupable, je pense. Il est très weird, mais bon. <laughs> mais yo, ces affaires de dormir avec des kids, c'est fucked up. Ouais, mais l'affaire c'est quand qu il, il s'est fait demander ça. Il était comme yes, like yes, I, je dors avec des kids, mais comme, non, pas, mais comme que, pas comme pas comme qu'est-ce que vous dites. Moi, je dors avec comme qu'on écoute un film puis on s'endort puis on écoute un film. C'est ce bizarre. Si c'est ton kid, c'est fucked up. Ouais, top. mais si c'est bizarre, il dirait comme ça. Et moi, je trouve que ce qui est encore plus bizarre, c'est les ben parents go, bro, qui sont en train de Vas-y, va chez lui. <laughs> tu comprends? T'as Kanye West maintenant qui dit des propos fucked up. C'est bizarre. Ouais, ou Kanye pas? West, c'est l'exemple du moment, dans le fond. T'sais, tu écoutes le... encore du Kanye West? Euh, Kanye West, ouais, c'est écoutable. Ouais. ouais, parce que c'est différent. Moi, si, si, tu, si tu causes du tort à d'autres personnes. Ouais. Vraiment, si tu t'en prends physiquement, c'est si différent. Mais là, en si fait, vu... ce qu'il a fait non, à Pete David Davidson, si euh, si ça ressemble pas mal à... Bon, si, non, il a fait à Davidson, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, bon. enfin fait, il y a... Il y a... Il a summon son, son armée de fans pour Ah oh, pour l'insou. Oui, okay, ça c'est ce, ce que Pete que Pitt de à ce qui paraît la te... dit je suis lit, avec là. ta femme je yeah, suis dans oh, son lit. Oui non, like... parce qu'il paraît il il, il euh... Oui. Non non mais attends mais attends, il répondait on à Caniwes il, il dit talk. <laughs> enfin, enfin c'est pas euh... Non pas mais moi moi man Caniwes je l'écouterai encore mais moi j'ai perdu envie. Moi ça me tente pas. Oui, ouais. Après, je l'écoutais beaucoup. J'étais un fan, évidemment. Mais est-ce que j'ai envie tout d'un coup de mettre du Kanye West? Non. That's it. OK. Je comprends. Comment t'as trouvé l'album? Okay, c'est avoir... pas le propos qui t'a le fait. C'est-tu les propos antisémites? Ah, J'ai envie de dire l'ensemble de son œuvre, mais... <rire> <rire> de son œuvre pas musicale. Euh, ouais, les propos antisémites, c'était ouais. pas mal too much. Moi, je trouve que c'est... Yap, euh... yap taper ouais. beaucoup sur le clou. Là. Question, ouais. Rapid Fire. T'as-tu aimé son album euh, Gospel? Je ne suis pas spécialement un fan de... de... En fait, c'est du gospel contemporain, là. ouais Oui. À ce compte, je préfère encore ce que font les Jamaïcains. Même, il y a comme une sorte de mode d'Afrique du Sud, là, de, la, de la musique gospel sud-africaine, qui est pas mal cool. Un peu aussi même. Uh, okay. Je n'ai pas détesté. Je ne peux pas dire que. Il okay, fallait juste que je demande comme ça, oui, oui, oui. Shout out Dirt Work qui a produit là-dessus, gagné un grand pour ben ça oui, ben oui. You know what I mean? Talent montréalais. Oui, ben 1h45. Bien hey, sûr. Man, big love yes. à tout le monde qui regarde, big love à tout le monde qui supporte. Vous savez, on est où, man? On est au hidden showroom. Everything you see is for sale, man. You want one of these? Holler at us. Uh, big shout out, Smoke Signals. They got us right, vous savez déjà. C'est le podcast, l'édition avec Philippe Renault. Big shout out à Renault J7. Merci les gars, c'était une super conversation. Plaisir, mon bro. Euh, yo, c'est votre boy J7. C'est votre boy le 11, on s'en va où? C'est Patreon, let's go. Yes, sir.